Cool, on est live, c'est trop bien. Alors s'il te plaît, si c'est la première fois que tu assistes, un live, Groove Like a Pig, mets en commentaire tout de suite hashtag live. Et quand tu regarderas cette vidéo en replay, et ben je t'invite à mettre dans les commentaires de cette vidéo, peu importe où tu regardes cette vidéo, de mettre hashtag replay, donc jazz replay. Je recommence. Tu regardes cette vidéo là maintenant tout de suite en direct, mets en commentaire tout de suite jazz live, hashtag live. Tu regardes cette vidéo en replay, tu mets en commentaire tout de suite hashtag replay, jazz replay. Moi, en attendant que vous arriviez pour vous connecter, je vais faire un petit peu de musique parce que normalement j'ai toujours 7 minutes de battement, mais ce soir mon logiciel ne fonctionnait pas. C'est pas grave, ce sont les aléas de la vie. Donc j'attends que vous vous connectiez, donc mettez aussi des commentaires pour que je puisse voir que vous êtes là et on démarre le live. Je devais démarrer depuis au moins 30 minutes, mais c'est pas grave. Petit souci technique, ça arrive, c'est la vie. Mais je suis trop content de refaire des lives, ça m'a tellement manqué. Je vais faire un peu de musique en attendant. À tout de suite, donc oublie pas, hashtag live en commentaire, ok, jazz live, et hashtag replay si tu regardes le replay, jazz replay. C'est parti. Salut Paul! Salut Claude! Oh yeah! Fais-nous du Pastorius! Non, j'en fais toute la journée en ce moment pour la formation, j'en ai ma dose, je t'avoue. Yes Seb, j'espère que tu vas bien, ça fait plaisir de te voir. Trop cool! Donc, je vais continuer à chanter en attendant que tout le monde se connecte. Donc n'oubliez pas, hashtag
live en commentaire, Jazz Live, et hashtag replay dans les commentaires, donc Jazz Replay, si vous regardez cette vidéo en replay. Et moi, je continue de chanter. Right. Alors, salut à tous, je prends 5 minutes pour t'encourager. Eh bien, merci à toi, Idi. Merci d'être là, j'espère que tu vas bien. Yes, ça fait plaisir de pouvoir refaire des lives. Alors, je vais refaire des lives parce que, bah, déjà, premièrement, il y a eu le troisième confinement. Et d'après ce que je vois de loin, parce qu'encore une fois, je suis en Estonie, je vois que l'ambiance, à ma l'air en tout cas, me paraît morose, un peu négative, etc. Et j'aime bien justement me dire qu'est-ce que je peux faire en fait avec mon temps gratuitement, gentiment. Ben, c'est de vous aider, c'est de vous encourager, qu'on fasse de la musique ensemble et qu'on essaye de passer un bon moment pendant cette période pas très cool, ouais, disons-le clairement, pour rester poli. Et voilà, en attendant que la tempête passe, que la caravane passe, et voilà, et de se concentrer sur des choses positives qui font du bien à l'âme, qui font du bien au cœur, qui voilà, qui vont pouvoir nous inspirer et faire tout un tas de belles choses de notre temps. Voilà. Donc du coup, j'ai décidé de reprendre les lives, et aussi parce que j'ai un peu plus de temps, comme j'ai pu terminer, comme vous le savez, la série des lundis groovy, ça s'est terminé il y a quelques semaines maintenant, et du coup, bah, je passe plus de temps, c'est vrai, dans l'université, à créer énormément de contenu, de ressources, etc. Parce que bah, là, comme vous le savez, j'imagine, il y a l'application Groove la Cupie qui va vraiment pas tarder à sortir. Je suis en train de résoudre les derniers bugs, il y a 2-3 petits bugs, donc je veux pas que ça sorte tant qu'il y a des bugs. Voilà, c'est ma responsabilité. Donc voilà, mais en tout cas, je suis super content parce que bah voilà, d'un point de vue design, d'un point de vue expérience, je pense que je vais pouvoir vous proposer quelque chose de fou. Donc je sais pas si tu sais, mais créer une application, c'est un truc de fou, c'est quelque chose qui coûte super cher entre les coûts de serveur, d'hébergement, le trafic et tout ça, c'est un truc de fou. Bref, j'ai appris plein de choses et donc je suis pas là pour me plaindre, hein, mais c'est vraiment pour te faire un partage sincère, honnête et transparent des choses. Et donc voilà, du coup, bah, j'ai prévu, il va y avoir des confettis, enfin, il y a plein de trucs, c'est juste génial, toujours dans l'optique de vous encourager et de vous tirer vers le haut.
voilà, le but, c'est pas de révolutionner la basse et d'être le meilleur bassiste du monde. Déjà, ça n'a jamais été mon délire. Voilà. Mais du coup, bah, je vais pas faire ça, pas ricocher en pédagogie. Mais l'idée, c'est vraiment de vous inspirer, voilà, à chercher qui vous êtes réellement musicalement. Voilà, je joue des trucs, il y a des fautes, pas grave, qui va te lancer des tomates à part des personnes malveillantes, tu vois. Donc on est là pour faire de la musique, on est là pour se faire du bien, on est là pour s'encourager, on est là pour partager un moment d'amour, et je reste vraiment convaincu, en tout cas j'ai l'intime conviction que, raison de plus, dans un moment aussi difficile, aussi délicat, on a besoin de ça, on a besoin d'amour, on a besoin de solidarité, pardon, j'arrive pas à parler, voilà, c'est improvisé vraiment, et du coup, voilà, on a besoin de solidarité entre musiciens, on n'a pas besoin de se faire des guéguerres de qui a la plus grosse kickette, qui a la plus grosse notoriété, qui a le plus ceci, plus cela. Moi, ça m'a jamais intéressé, voilà, je suis là pour vraiment partager de la lumière, de la belle énergie, voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Je vois qu'il y a encore plein de commentaires qui sont en train d'arriver. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question, ça se passe sur Facebook, ça se passe partout en même temps, sur Facebook, sur YouTube. Mais si tu veux être sur YouTube, connecte-toi sur YouTube et renvoie hashtag live depuis YouTube. Il n'y a pas de souci. Ok ? Hop. Alors, et je vois qu'il y a des premières questions. En plus, ce soir, on va faire un live questions-réponses. J'ai pas prévu pour ce soir de vous partager un truc pédagogique, bien que je vais le faire dans les prochaines semaines. En fait, je me suis lancé un défi fou. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. C'est qu'on se retrouve une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines. On verra pour le rythme. Je veux pas d'abord m'engager sur le rythme parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Mais je veux par contre m'engager vis-à-vis de vous à être beaucoup plus présent sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Donc, je pensais par exemple vous apprendre des lignes de basse en direct. Je me suis dit que ça serait super sympa pour vous. Vous choisissez les lignes de basse que vous avez envie d'apprendre. Et donc, bah, on va faire ça de manière démocratique, hein, comme toujours. Les lignes de basse qui ont le plus de votes, et ben, gagnent, tout simplement. Voilà. Et on choisit un bassiste, on choisit un style, on choisit une ligne de basse, et puis on fait ça en live. Voilà, comme ça, ça peut être sympa, ça peut être interactif. Et donc voilà, il y avait cette partie-là. Après, je veux pas m'engager pour le moment sur du temps, genre ça va être tous les mercredis. Non, peut-être que je le ferai automatiquement tous les mercredis, mais je veux là maintenant tout de suite dans cet instant T ne pas m'engager parce que j'ai peur de ne pas tenir le rythme et de du coup bah pareil que j'ai de ne pas pouvoir tenir mes engagements. Tant que l'application n'est pas sortie, bah ça c'est ma priorité ultime parce que c'est tellement un chantier de fou. Bref, voilà, je pense que vous en doutez, hein. Voilà, j'ai déjà partagé sur les réseaux sociaux, la chaîne YouTube, Facebook, tout ça, Instagram, l'évolution de l'application, ce que ça va devenir, parce qu'en plus après, il y a un accordeur qui arrive, qui sera intégré dedans, un métronome, tout ça, et l'application est vraiment gratuite. Donc voilà, ça prend un temps fou, parce que je code, j'apprends à faire tout ça, c'est chiant, mais j'adore en même temps. Voilà, parce qu'au moins je sais comment ça fonctionne pour être transparent, et le jour où je peux avoir des collaborateurs dédiés à 100% pour le faire, au moins je comprends comment ça fonctionne, et s'il y a un souci, et qu'on me parle de X ou Y étape, je sais de quoi on me parle. Je me retrouve pas comme un abruti, genre, attends, c'est du chinois, t'as dit quoi, voilà. Donc ça, c'est mon côté personnel. Alors, donc oui, j'ai déjà répondu à cette question. Julien qui est là! Salut Julien! J'espère que tu vas bien. Donc, j'avais prévu, par exemple, de vous apprendre prochainement une ligne de basse de Juan Carlos, le bassiste de, si je dis pas de bêtises, hein, le bassiste de Ben Harper. Et en fait, il y a plein de lignes de basse que j'adore dans Ben Harper qui groove. Et j'écoutais ça moi-même quand j'étais à Maubeuge, quand j'ai démarré la basse. Et j'en écoute encore de temps en temps pour faire découvrir à mon fils qui a 6 ans maintenant. Et du coup, on a écouté ça il y a pas très longtemps. Et on s'est dit, waouh, il faut qu'on fasse un truc. Donc voilà, donc j'ai prévu un morceau de Ben Harper. Vous allez voir, ça va être super cool. Je vois qu'il y a plein de messages qui arrivent. Locaf! Yes, je bascule sur YouTube. Y a pas de souci. Hashtag live. Alors, je vais répondre à une question. Il y a une question qui est passée à laquelle j'ai pas répondu, qui était celle-ci. Alors, yo, je me demandais, il faut faire quoi pour apprendre à improviser? Alors, j'ai une formation dédiée à ça, déjà, si tu veux savoir. Je t'invite d'ailleurs à aller voir les témoignages. Il y a une playlist YouTube. C'est la méthode Groove Like a Pig. Donc, je t'invite à aller jeter un coup d'œil là-dedans. Et ça dépend, en fait, de ton objectif. Moi, j'aime bien toujours, démystifier, mais surtout aller dans le fond des choses. C'est-à-dire,
pourquoi tu veux improviser, qu'est-ce que ça va t'apporter, quel sentiment et ou bénéfice tu en retires, pourquoi ça te tient tant à cœur. Parce qu'une fois que tu as trouvé ça, tu deviens ce que j'appelle en fait inarrêtable. Tu as ton pourquoi. Tu vois, j'en parle dans la formation, avoir son pourquoi dans la vie. Tu sais pourquoi tu veux devenir astronaute, tu sais pourquoi tu veux devenir musicien professionnel, tu sais pourquoi tu veux venir chirurgien ou médecin. Tu veux peut-être devenir médecin parce qu'il y a un membre de ta famille que t'aimais, il est mort d'une maladie qui est rare et tout le monde s'en fiche. Du coup, tu t'es dit, je veux devenir médecin pour étudier cette maladie, pour pouvoir essayer de trouver un remède ou participer, tu vois. Donc, quand t'as ton pourquoi, c'est pas obligé d'être un pourquoi de fou comme je viens de donner là dans l'exemple, mais une fois que t'as ton pourquoi, que tu l'as défini, et que c'est aussi clair que du cristal, ben voilà, t'es inarrêtable. Après, comment faire pour improviser si t'as pas envie de t'inscrire malheureusement à cette superbe formation que je te recommande? Voilà. Eh bien, je vais t'inviter à plusieurs choses. Développer ton sens rythmique. En fait, ce sont les étapes importantes. En fait, j'en ai décelé quatre. Le rythme. J'en parle dans la méthode. Peut-être que je sais pas si, comme c'est pas un logiciel que j'utilise assez souvent, si je peux réussir à vous faire un partage d'écran. Parce que je pourrais vous montrer un bout de la présentation. Tout est nouveau ce soir. Alors, mais sinon, je sais pas, si j'arrive pas à faire de partage d'écran, je vais juste te donner les titres, enfin les thématiques qui pour moi me semblent importantes à maîtriser un minimum. Sinon, tu vas te répéter, tu vas tourner en boucle, et puis tu vas pas t'amuser, tu vas saouler ceux qui t'écoutent, etc. Parce qu'on va pas sentir justement que tu as du plaisir à faire ce que tu fais. Donc, il y a le rythme, ça c'est super important. On a beau dire, hey, c'est rébarbatif, non, ça dépend comment tu l'abordes. Moi, j'ai toujours une manière ludique avec le conocole, la musique africaine, la musique cubaine, d'aborder le rythme. Tu es obligé de groover comme un porc à un moment donné, je te laisse pas le choix, de toute façon. Tu vois, mais je suis pas en mode dictateur, c'est juste qu'il y a tellement de manières, tu vois, d'aborder la pédagogie dans le monde. Il n'y a pas que le conservatoire, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, tu vois. Il y a tellement de manières de s'amuser pour chanter, donc il y a ça, le rythme. Ensuite, il y a ton oreille, qui est super importante, pouvoir identifier des intervalles, des accords à 4 sons, des accords à 5 sons et plus, quand il y a plus d'extensions ou des accords sur des accords. Donc ça, c'est pour moi, c'est super important. Avant même ta technique et la virtuosité, tu dois avoir des oreilles de porc. C'est vraiment ultra méga important. Tu vois, on est tout le temps en train de regarder sur les réseaux sociaux les mecs qui se font dic-dic-dic. Je suis sûr que tu leur mets la majorité, je dis pas ça pour me faire briller le nombril, mais la majorité, tu leur mets une grille d'accords, tu dis « chope les accords, maintenant pose une ligne de basse ». Il n'y en a pas beaucoup qui vont réussir à faire ça. Tu vois, et pourtant, c'est des virtuoses de ouf. Pour moi, le super pouvoir d'un bassiste, au-delà du fait d'être un rythmicien, premièrement, deuxièmement, c'est vraiment d'avoir une oreille de fou. Tu vois, moi, mes modèles, c'est Ron Carter, c'est Nathan East. Ces mecs-là, c'est pas des mecs qui vont te faire des trucs genre, même s'ils ont déjà un super bon niveau technique, etc. Tu vois, ou même Vincent Segal en France, tu vois. Mais, parce que ça a été mon sensei. Mais par contre, tu vois, tu vas écouter, ces mecs-là, ils vont écouter la musique pendant, je sais pas, 3 minutes de musique. Ils ont repéré la structure, ils ont repéré tous les chord changes, tu vois, tous les accords, les changements, tout ça. Puis ils prennent leur instrument, il n'y a pas un pas. Donc ça, c'est pour moi, avant même de parler d'improvisation, pouvoir te repérer dans un cycle rythmique, pouvoir te repérer dans un cycle harmonique. Et c'est vraiment ce que j'enseigne. Tu vois, il y a vraiment plein d'astuces vis-à-vis de ça. Après, il y a le répertoire que tu décides de faire. Moi, par exemple, je suis pas du tout un jazzman, même si j'aime le jazz, je suis pas du tout un jazzman, et j'ai pas envie de l'être. Je suis quelqu'un, je sais pas, on pourrait dire un méloman, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais tu vois, j'adore toucher à tout. Enfin, je me vois pas rangé dans une boîte. Tu vois, genre, ça, c'est la boîte de ton style et tu restes là-dedans toute ta vie. J'aime le jazz, j'aime la funk, j'aime la rumba congolaise, j'aime la musique latine, j'adore la musique des Balkans, j'adore la musique indienne, j'adore la musique balinaise, tu vois, j'adore la musique chinoise, mais vraiment, sincèrement, tu vois, j'adore vraiment un milliard de trucs. Donc, voilà, moi, mon délire, après, je peux pas te forcer à être comme ça, mais il faut que tu aies conscience de quel est ton répertoire. Voilà, it's about you. Quel est ton répertoire, si tu en as un, de prédilection, et déjà de commencer avec ça. Et ensuite, plus tu vas avancer, d'élargir ton répertoire. Pourquoi ? Parce que tu vas élargir par ricochet ton vocabulaire rythmique, ton vocabulaire mélodique et ton vocabulaire harmonique. Aussi simple que ça. Ça peut paraître bête et évident, mais rien n'est évident. Le but de la pédagogie est de démystifier l'évidence. Voilà. Donc, rythme, oreille, répertoire, et puis après, ben, juste de t'amuser
improviser pour faire simple, tu vois. Enfin, il y a la technique que j'ai pas citée qui fait partie des éléments, mais la technique, je le mets vraiment à part parce qu'encore une fois, enfin, j'ai rien contre les mecs qui ont une super technique, tu vois. J'adore bosser ma technique en plus. C'est ça qui est important, mais qui me fait marrer, pardon. Mais c'est que tu prends les mecs qui ont fait le tour du monde 100 milliards de fois, est-ce qu'ils ont une énorme technique de fou? Non. Par contre, ils savent s'exprimer avec leur instrument. Ils peuvent faire... je vais baisser pour les voisins. Tu vois, avec des trucs comme ça, et genre, ah oui, j'ai repéré la couleur, j'ai repéré ce que je vais faire, on y va. Tu vois, et de commencer à t'amuser et à phraser avec tes idées, tes délires rythmiques, tes délires harmoniques, te dire, ah bah tiens, sont à l'accord, je vais faire une substitution, je vais essayer de faire entendre une substitution, etc. Donc voilà. En fait, déjà d'avoir conscience de ça, parce que souvent sur Internet, un des gros problèmes justement de toutes ces informations, c'est qu'on va dire « bosse le leak de la mort, bosse le leak de la mort ». Et c'est marrant, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, j'ai publié un témoignage d'un élève, Sylvain Pastor. Je t'invite à aller le regarder parce que c'est un bel exemple. Lui, justement, il était en mode il savait pas, il peut pas savoir ce qu'il sait pas, tu vois. C'est normal. Il était en mode genre voilà, j'apprends le leak de la mort, j'apprends les leaks de la mort parce qu'il y a d'autres mecs sur YouTube qui te disent apprends le leak de la mort, donc tu apprends le leak de la mort et tu fais les leaks de la mort pendant des heures. Mais au final, qui a envie de jouer avec un mec, si tu as envie de jouer en groupe et d'improviser, tu vois, qui a envie de jouer avec des mecs qui font que des leaks? Personne, tu vois. Souvent, je donne l'exemple concret de quand on joue en groupe, souvent, les gens viennent pour le chanteur, même s'il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec ce que je dis. À l'heure d'aujourd'hui, parce qu'on n'est plus dans les années 70, on n'est plus dans les années 80, à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, plus de 90% de la masse, du public, des gens lambda, ils viennent pas au concert pour le bassiste. Ils savent même pas ce que c'est qu'une basse. Ils viennent pour voir le chanteur, ils viennent pour voir Bruno Mars. Les gens qui viennent voir le bassiste, ils ont déjà un niveau de culture un petit peu plus élevé. Tu vois? Donc. Tu vois, si t'as envie de jouer en groupe, que ce soit de niveau en mode amateur, et c'est pas du tout péjoratif, hein, d'accord, en mode amateur, avec tes copains dans un garage, ou faire des petits concerts dans la région, tout ça, c'est génial. Mais si tu veux que le groupe te garde et avoir plus d'expérience, il faut que tu grooves. Ça, c'est un fait. Tu peux avoir une technique de port, mais avant toute chose, groove. Tu grooves, tu te repères dans un cycle rythmique, tu te repères dans un cycle harmonique, t'es pas perdu, etc., etc. Hier soir, il y a un élève qui a publié, Michel d'ailleurs, que je salue, qui fait des progrès de fou, qui a partagé, j'ai pas encore répondu, d'ailleurs je vais le faire après ce live, qui a partagé un super témoignage d'expérience. Il a été pris dans un groupe, tu vois, c'est génial, il était super content, et parce que voilà, il a progressé, il a appris à se repérer, même s'il disait dans son partage, en commentaire dans le forum, que des fois il était encore un petit peu perdu, etc., et qu'ils ont découpé par morceaux, mais n'empêche que la base, c'est ça, tu veux rentrer dans un groupe. Moi, par exemple, la première chose que je fais, quand j'auditionne un batteur, je m'en fiche de son niveau technique, à la limite, même je m'en fiche de son niveau rythmique. Par contre, là où je vais avoir zéro pitié, c'est qu'il sache se retrouver dans un cycle rythmique. Dans un cycle rythmique. Si par exemple, je dis là, il y a 4 mesures, c'est à toi. Là, il y a 13 mesures et demie, c'est à moi. Là, il y a 12 mesures, un quart, c'est à toi. Il faut pas qu'il se trompe. Tu vois? Et s'il se trompe pas, déjà, je me dis, ok, cool. C'est déjà quelqu'un qui a une certaine solidité. Maintenant, voyons voir le vocabulaire rythmique. C'est pas grave si t'es pas à l'aise avec des polyrythmes, tu vois, des choses comme ça. Il y a pas de souci. On va bosser ça ensemble. Je dis ça, j'ai mes casse-casse, tu vois, tu peux t'amuser à faire 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Tu fais ce que tu veux, 4 pour 3, 5 pour 3, 11 pour 3, ce que tu veux, enfin, tu vois. Mais au moins, je sais qu'on va pouvoir prendre le temps de s'amuser à construire ça ensemble, basse batterie. Tu vois, mais il faut quand même des bases, des foundations super solides. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Et si c'est pas le cas, n'hésite pas à mettre d'autres questions. Ethan, voilà, c'est gravé, c'est mémorisé. Et puis, j'y répondrai avec grand plaisir. Hop. Et n'oublie pas d'aller voir la vidéo de témoignage de Sylvain Pastor et des autres membres, voilà, de la méthode Groove Like a Pig dans la playlist. Alors, existe-t-il des bassiste pro qui n'improvise jamais? Alors certainement, malheureusement, je ne suis pas omniscient ni omnipotent, je ne connais pas tout sur la planète, je ne suis pas Dieu.
Je sais, c'est triste, je sais. Mais j'imagine que oui. Tu vois qu'il y a plein de bassistes qui n'improvisent pas. Enfin, tu vois, c'est pas. Après, encore une fois, ça dépend de ce qu'on met derrière le mot improvisation. Est-ce que pour toi, improviser, ça veut dire. Tu vois, c'est de faire des trucs compliqués, des trucs rapides comme ça. Ouais, bon, ok. Ou alors improviser, ça peut juste être. Tu vois, ça peut être ça une improvisation. T'es pas obligé de faire un truc de fou, la mitraillette. Ça dépend encore une fois du concept que t'as derrière. Je suis persuadé que oui, il y a des bassistes. Enfin, moi, j'en faisais partie, tu vois. J'ai dû commencer à me bouger les fesses et à improviser plus quand j'ai commencé avec Trilogue Gourtou. Tu vois, parce que j'avais un morceau dans la setlist où je devais faire un solo de basse qui devait être genre fou. Et encore, je l'avais écrit en partie parce que c'était pas à l'époque mon délire justement de faire des solos. Moi, je bossais l'accompagnement, l'oreille, la lecture à vue comme un gros fou. Toujours d'ailleurs, parce que c'est ce qui m'a permis de voyager, de jouer avec plein de gens. Ce qui te permet d'apprendre des répertoires aussi extrêmement rapidement, avec une facilité déconcertante, de pouvoir faire ça. Et après, bah, j'ai poussé un peu plus le côté technique, mais tu vois, c'est juste une question de concept. Tu vois, voilà. Mais je pense que oui, bien évidemment, il y a des bassistes qui improvisent jamais, mais qui bossent pas ça comme des fous, qui en font très rarement lors de leurs shows de concert, certainement. Alors, autre question. Je pense que c'est une très bonne idée car je suis débutant sur l'instrument en question et cela pourra m'aider de rejouer des lignes de basse simples mais utiles. Bah, c'est tout l'objectif de ces nouveaux lives que je vais préparer. Et je voulais même commencer ce soir, tu vois, mais en fait, mon logiciel m'a planté. Bon, c'est pas grave, c'est des trucs techniques, ça arrive, c'est la vie. Du coup, voilà, j'ai toujours une possibilité de secours, c'est ça qui est génial. Et c'est ce que j'ai fait avec cet autre logiciel que j'utilise en live pour la première fois. Alors, qu'est-ce que tu dis, Claude, j'ai pas vu. Salut Johan, je n'ai pas percuté pour ce soir, un peu à côté de la plaque. Bah en fait, ce live, j'en ai parlé nulle part, je voulais vous faire un live surprise avec des partitions, des animations, des trucs que j'avais tout préparé. C'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Voilà, parce que j'ai vraiment envie de faire plus de live et de vous faire vraiment des shows avec des animations, de la musique, des grooves, et on va jouer des choses très simples des fois, mais j'ai aussi envie de temps en temps, voilà, de pouvoir jouer des choses un peu plus compliquées pour essayer de, voilà, de satisfaire, faire plaisir à tout le monde. Donc faire plaisir aux débutants, faire plaisir à ceux qui sont intermédiaires et faire plaisir à ceux qui seraient avancés. Voilà. Tu dis, justement, je voudrais poser une question. Je suis à la recherche de la tablature d'Armstrong de Nougaro. Alors, je l'ai pas dans mon répertoire, parce que c'est vrai que, bon, c'est une surprise, spoiler, vous êtes pas très nombreux ce soir à regarder ce live, donc du coup, je peux le dire, mais en fait, on est en train de développer une bibliothèque de partitions. Donc, on a enfin réussi à bosser sur une licence, enfin, pas moi, le service juridique chez Groove Like a Pig. Tonnerre d'applaudissements pour eux! Parce que ça faisait quand même un an qu'on était là-dessus, c'était un peu casse-pied. Et là, du coup, on a trouvé quelque chose, donc c'est quand même génial. On va pouvoir vous proposer des partitions de manière légale. Donc ça, c'est quand même super cool. Donc c'est aussi pour ça que je suis pas très présent pour le moment sur les réseaux sociaux. Je continue à faire plein de tutos. Moi, j'aime bien tout préparer en avance et arriver faire boum. Voilà, puis il y a le pass qui va arriver. Enfin, ça va être la folie. Alors, j'ai un pote qui m'a invité dans son groupe, mais je n'arrive pas à trouver le groove. J'ai les notes, do, do et Sosol, peux-tu m'aider? Merci d'avance. Ok, alors je t'invite à faire une vidéo et à la publier dans le forum, Claude, s'il te plaît. Si tu peux aussi partager un extrait musical dans le forum, ce sera extra. Comme ça, je peux vraiment te guider pas à pas, quitte même à te jouer un petit bout de groove. N'hésitez pas, hein, surtout profitez, il y a le forum de l'université, donc si vous avez besoin de conseils aussi, venez publier votre vidéo. Et puis moi je vous donne des conseils, je me filme et puis je vous réponds, c'est super cool. Hein. Alors en prenant bien mon temps, j'arrive à peu près à déchiffrer les lignes de basse à l'oreille. Mais j'ai remarqué que les tables officielles se jouent dans endroits différents du manche. Exactement. Alors pourquoi? Comment cela se passe-t-il? Qu'ont-ils mangé ces bassistes? Oh là là. En fait, il voulait faire le clown. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu exécutes une ligne de basse et que tu acquiers une certaine expérience, tu cherches à être le plus efficace
Il y a un ratio, en fait, entre économiser des mouvements inutiles pour avoir de l'énergie, de la patate et mettre cette énergie-là dans tes lignes de basse, et en même temps, avoir une ligne de basse qui reste efficace, qui sonne, qui groove, qui pète, qui déchire sa race. Pour parler comme un NASCAR. Tranquille, quoi, tu vois, wesh. Ok? Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir le ratio des deux. Et en fait, quand tu apprends des lignes de basse, c'est normal, tu vois, une des erreurs, par exemple, les plus communes que l'on voit quand il s'agit d'apprendre des lignes de basse, c'est qu'on voit des bassistes jouer Billie Jean ici. Forcément, c'est simple, on ne sait pas. Alors que normalement, boum, ça joue là. Ce sont les mêmes notes, mais le timbre est beaucoup plus fat, beaucoup plus gras, beaucoup plus posé ici, dans le milieu du manche, que là. Je t'invite à faire le test. Si tu as ta basse à côté de toi, prends-la et fais ici et refais-le. Tu vois comment il y a plus de balls. ça sonne mieux, tu vois. Et tu vois que tu vas sonner exactement comme dans le disque. Donc c'est normal en fait ce phénomène. C'est pas comme on dit en anglais, you're not broken. Tu vois, tes oreilles elles sont pas cassées. Il y a pas de, tu vois, c'est pas un problème. Tu n'as pas de problème en fait. C'est juste que tu as besoin d'acquérir un peu plus d'expérience. Donc lâche absolument rien. Reste en mode lâche rien. Et tu vois qu'au bout d'un moment, tu vas avoir un titre. C'est un truc que tu dois capter en fait. Il y a des choses comme ça qu'on peut enseigner, qu'on peut partager, et il y a des choses qui doivent se vivre d'elles-mêmes. Et ça en fait partie. Ok? Donc, don't give up. Et puis, je suis là si tu as besoin en plus. André, qui va? Christophe, qui nous a rejoint? Ouais! C'est cool! Alors, comment on fait maestro pour ne pas faire que les fondamentales dans nos lignes de basse? C'est une excellente question que vous me posez là. En fait, les fondamentales en soi, c'est pas du tout un problème. Tu vois, tu peux faire la majorité des lignes de basse qui ont été faites dans le monde à succès, notamment les hits, que tu prennes James Jamerson ou ce que tu veux, dans tous les genres musicaux. Les bassistes font quoi? Ils jouent la fondamentale. Maintenant, it's how you're gonna play this note. Tu vois, comment tu vas jouer cette note? Tu vois, est-ce que tu vas la jouer? Est-ce que tu joues? Je fais la fondamentale parce que je suis bassiste, ou alors parce que tu mets de la vie dedans, tu vas y mettre syncopation, tu vois, tu vas y mettre des syncopes, tu vas y mettre ta joie de vivre. En fait, c'est le pouvoir de l'intention, tu vois, et c'est ça qui est important. C'est pas juste de, ok, je fais des fondamentales, j'ai un do mineur, voilà, j'ai mon do mineur, du coup, bah, je suis bassiste, je fais do mineur. Ah, 4. Et je dis ça, c'est pas pour manquer, j'ai fait cette erreur pendant des années, tout le monde en fait, tu vois, parce que ça aussi, justement, c'est un truc que tu dois comprendre. Et sur lequel tu dois te pencher. Il y a plein d'ingrédients qui sont essentiels pour que ta fondamentale, elle soit super méga sexy. Ok ? Donc, il y a le rythme, ton placement rythmique, le timbre de ton instrument et les nuances, pour n'en citer que trois là maintenant, pour faire simple. D'accord ? C'est rien que déjà avec ces trois ingrédients, mon gars, tu vas nous donner un plaisir auditif de fou. Si tu joues ta fondamentale, trois cordes, et que tu fais traîner ta note, tu vois, et alors que t'as des coups de caisse claire. Là, t'es en train de tuer le groove. Alors que si tu fais attention à la longueur de tes notes, même si par exemple tu lis une partition, c'est écrit blanche, ronde, ça c'est un peu aussi un des problèmes qu'on a en Europe, c'est qu'on essaye de jouer exactement ce qu'il y a d'écrit. Bullshit. Tu dois jamais faire exactement ce qu'il y a d'écrit. Tu interprètes. T'es pas un robot. T'es pas une machine japonaise. Ting, 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 t'as lu, c'est écrit blanche, j'ai fait blanche. Non, tu dois interpréter ton truc et tu vois une blanche, ok, tu fais blanche, mais peut-être que tu vas la faire un peu plus courte qu'une blanche. Au final, c'est peut-être une noire pointée. On s'en fiche du solfège, tu vois. L'idée, c'est de faire vivre la musique comment tu le ressens. C'est ça le plus important, d'accord? Donc, tu vois, je m'amuse avec les longueurs de notes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vas stretcher d'autres, tu vas même dépasser, déborder très légèrement. Même si c'est un film, il n'y a que toi qui le sais, il n'y a que toi qui l'entends, tu joues avec ça, avec des micro-placements. Et déjà, tu vois, tu as fait ta fondamentale, tu fais déjà groover le morceau. Après, si tu peux faire des lignes de basse rythmiques, syncopation, tu vois, bah tu vas faire des syncopes. Tu vas commencer avec des choses simples avec lesquelles tu es à l'aise. Ça peut être des croches en l'air, ça peut être des doubles croches en l'air, ça peut être voilà d'autres placements rythmiques que tu as envie, des doubles croches en l'air avec des liaisons, enfin ce que tu veux. Je suis pas là pour faire du solfège, tu vois. Mais déjà tu vas pouvoir t'amuser. Tu vois, je fais durer certaines notes.
J'ai mélangé les deux. C'est ce que j'ai dit avant. Et ensuite, bah, tu vas mettre du timbre, tu vas y mettre des nuances. Et là, ta ligne de basse, ta fondamentale, elle est juste super méga sexy de ouf. Toi, t'as juste envie d'aller sous la couette et de faire un câlin chaleur, bonheur, parce que ta ligne de basse, elle fait du bien. Tu vois? Et c'est ça qu'il faut chercher. En fait, il faut pas se mettre de barrière mentale, genre, ah, si, il y a un problème de fondamental. Parce que moi, j'ai plutôt le discours inverse. C'est-à-dire que si t'arrives pas à faire en sorte que ta ligne de basse soit, encore une fois, sexy, juste avec la fondamentale, ça va être un petit peu compliqué quand tu vas vouloir y mettre des terces et d'autres intervalles, peu importe l'intervalle au final, tu vois, parce que ça reste, c'est juste des notes de musique, c'est une question de choix, de goût, tu vois, de sensibilité. Ce qui est important vraiment, c'est comment tu perçois le résultat final, en fait, global. Parce que it's not just about one note, c'est pas juste parce que c'est une note, c'est comment vraiment tu perçois, voilà, le placement avec le batteur. C'est pour ça que je chante un truc. Comment tu perçois le placement quand le chanteur arrête de chanter, toi tu peux placer ta basse. Quand le chanteur arrête, fou, t'es plus ici sur le manche et tu fais des notes douces, beaucoup plus longues, etc. Et là, tu vas faire vivre la musique. Tu vois, et t'as même pas en plus besoin d'avoir un niveau technique de fou. C'est de l'intelligence musicale, tout simplement. Donc j'espère que ça répond à ta question. Alors, yes, la deuxième version. Ah, j'imagine que tu parlais pour ce que je faisais tout à l'heure, ok. Hop. Yes. Bah oui, publie ta vidéo. Cool, il y a Vincent qui est là. Salut, Vincent, j'espère que tu vas bien. Bah, Vincent, d'ailleurs, dans le programme de la méthode Groove Like a Pig, pour Ethan qui posait la question tout à l'heure. Alors, Ivan... Yeah. Bonsoir. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Voilà. Et donc ouais, je suis vraiment super méga content de pouvoir être là ce soir, de pouvoir reprendre de manière officielle des lives. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous apprendre des lignes de base. Donc on va commencer avec Ben Harper. En plus, j'adore cet artiste, c'est génial, ça groove, c'est beau, c'est simple, c'est chouette, j'adore ce genre de répertoire. En fait, j'aime tout, donc ça, c'est pas compliqué. Et après, si vous avez des envies particulières, je vous invite à les mettre en commentaire en dessous de cette vidéo. Voilà, et puis moi, de toute façon, je suis au taquet, donc dès que je verrai vos messages, je note. Voilà, je prends note et puis je préparerai tout ça. Donc pour vous donner un petit aperçu de ce que j'avais préparé, pour ce soir, je vais juste rouvrir mon doc. Hop, dans notre logiciel, en espérant que ça ne bug pas. Yes. Donc j'ai prévu de la musique mauricienne, pour les amoureux de la musique mauricienne. Donc il y aura du Cassia, des choses comme ça. Pour Ben Harper, j'avais prévu en fait ce soir de faire Still My Kisses. Mais comme je ne peux pas faire de partage d'écran avec ce logiciel, en tout cas je ne sais pas comment on fait. Voilà. Puis un super solo d'ailleurs dans ce morceau. Je pense que vous connaissez tous cette ligne de basse. Boom. Boom, bim, boom, 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 bim. En plus, il y a tellement de versions, donc ça va être cool. Hop, j'arrête, je te laisse faire ce que tu as prévu. Il n'y a pas de souci, je t'en prie. Oui, l'île Maurice, bah oui, carrément. Peut-être qu'on fera même des morceaux d'artistes réunionnais, antillais. Enfin, j'ai prévu du zouk. Il y a plein de choses. Déjà, il y a des tutos zouk qui vont arriver aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai sous la main d'ailleurs en zouk? Je crois que c'est dans l'autre disque dur. Ouais, c'est pas grave. Bon. C'est pas du zouk. C'est pas grave. En tout cas, il y a plein de choses. Là, d'ailleurs, pour toi, Julia, je te fais un petit morceau, t'essayes de deviner ce que c'est. Dis-moi si tu as reconnu. Voilà, c'est un arrangement que j'ai écrit de cet artiste-là pour la basse avec des harmonisations, etc., etc. Du zouk, je prends le zouk, tout le monde est chaud pour le zouk.
Oh yeah! Non, ça va être bien. C'est sûr. Alors, il y a Vincent qui pose la question, est-ce que tu avances comme tu veux sur l'app? Oui, exactement, j'avance super bien. Il y a juste encore quelques petits bugs. C'est des bugs mineurs, parce que je sais qu'il y a toujours, de toute façon, rien n'est jamais parfait. Je ne suis malheureusement pas Netflix, Facebook, Instagram, etc. J'ai pas leurs moyens, c'est-à-dire, pour être transparent, d'avoir un développeur full-time part job qui fait que ça matin, midi et soir, donc c'est pour ça que je le fais, déjà mon application. Et du coup, je sais qu'il y aura certainement un mini ratio de bugs entre un téléphone et un autre, ce qui me laissera aussi le temps de voir quels sont les modèles de téléphone sur lesquels il pourrait y avoir un bug et pourquoi, comment, pour pouvoir réajuster ça à la vitesse de la lumière. Mais oui, je suis en tout cas super méga satisfait du boulot parce que c'était un chantier, je sais pas, je sais même plus quand est-ce que j'ai commencé, tu vois, mais ça fait des mois, des mois, des mois, des mois, je bosse comme un porc, tous les jours, 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 comme un fou. Mais c'est génial, j'ai appris plein de choses, tu vois, c'est ça qui est cool aussi, en fait, c'est ça qui me plaît, j'ai pu développer plein d'autres skills encore, d'un point de vue graphique, d'un point de vue code, etc., etc. Puis même pareil, le fait de m'être lancé dans le métronome, d'aller chercher les fréquences des cordes, des trucs comme ça, des trucs que des questions auxquelles je m'étais jamais posé en fait, au final, et que je maîtrise même pas en plus. Donc du coup, ça me force à bosser, tu vois, et à chercher tout ça, pour être entièrement transparent. Alors, Claude dit, doit-on faire attention aux intervalles? C'est quoi exactement ta question? Parce que je suis pas sûr de ce que tu dis, en fait, Claude. C'est juste pour pouvoir t'aider au maximum. Alors, tac, j'ai l'impression qu'il y a plein de questions que j'ai pas vues. Sur Glap, tu disais qu'un bassiste chevronné peut faire sonner une basse bas de gamme. Exactement, cela m'intrigue. Car ayant une très bas de gamme, en faisant une note tout simple, le son corde grince. Alors ça, c'est plutôt une question de réglage d'instrument. Tu vois, c'est du paramétrage, si on peut dire. Tu vois, c'est comme une voiture. Tu peux avoir une deux chevaux, si elle est bien réglée, elle fera pas de bruit. Et au contraire, tu peux avoir une Porsche, une Ferrari, Lamborghini, ce que tu veux, qui dort dans un garage depuis X années. Tu la démarres et fait. Tu vois? Donc, désolé pour l'exemple, l'analogie. Mais ce qui est important, en fait, c'est de pouvoir régler ton instrument, bah, comme il se doit. Donc, si tu sais le faire, c'est cool. Si tu ne sais pas le faire, va voir un professionnel. Ne t'invente pas une compétence, un savoir-faire que tu n'as pas à l'heure d'aujourd'hui. Tu vas voir un luthier, ça va rien te coûter normalement. Tu vois, un réglage, au pire, il te fera payer 10 euros ou 50 euros en fonction de, voilà, s'il a nettoyé ton manche, il l'a décrassé, il a refrété, ou alors il a poli un petit peu tes frettes parce qu'il a besoin d'un réglage, tu vois. Donc, fais ça, tu vas te rendre service. Et puis après, ça va le faire. Tu vois, tu mets des cordes neuves, tu règles, comment on appelle ça, la justesse, via le chevalet, et ça va le faire. Si ta basse est bien réglée et que tu apprends à maîtriser la base, c'est-à-dire l'attaque, la rondeur, etc., il n'y a aucune raison que ça ne le fasse pas. Vraiment. Alors, je suis désolé, je dois partir. Je vous souhaite une très bonne soirée à la prochaine. Avec grand plaisir. Prends soin de toi. Hop. Alors, ça m'est pas inconnu, mais j'avoue avoir du mal à reconnaître. Allez, je te le refais une petite fois. Oups là, etc., etc. C'était Daniel Warreau. Puis après, je change les harmonies, je pars sur du la mineur, on se fait wow, etc., etc. C'est cool. C'était un délire que j'avais pour des cordes et tout ça. Projet que j'ai jamais sorti. Bonsoir, la famille. Noël est en ligne. Mais bien sûr! Alors, ce que tu postes de temps en temps donne envie. Oui, c'est vrai que je vous taquine un petit peu avec l'application, mais c'est pour vous montrer surtout, au-delà du fait de vous taquiner ou de penser que j'essaie de me faire mousser quoi, c'est surtout pour être transparent et vous dire, regardez où j'en suis, voilà ce qui a été effectué et voilà ce que je vous réserve. Parce qu'encore une fois, il y aura des confettis, ça va être la folie, enfin, j'ai vraiment tripé.
Là, en ce moment, je suis des cours, des tutos sur le Java, sur le JavaScript. J'avais jamais mis les mains dedans, j'ai mal à la tête, mais c'est bien. Bonsoir, toujours sympa ta philosophie de l'instrument et de la musique en général. Eh bien, je te remercie du fond du cœur, et chaleureusement. Véronique! Yes! Cool que tu sois là! Hop. Alors, Pierre, je bosse beaucoup pour passer au level supérieur. Depuis maintenant un an et demi, je progresse bien, c'est super, mais je me demande quel est le petit secret pour que mon jeu devienne plus naturel. C'est de t'attaquer à d'autres répertoires, de t'attaquer peut-être un peu plus de théorie, même si ça fait peur, le mot genre ah, théorie, parce qu'au final, c'est le seul. Et unique truc qui va te libérer. Donc, quand je dis théorie, ça veut pas dire que tu mets des lunettes et tu fais genre, oui, donc le cosinus de do mineur divisé par la racine carrée de la gamme mineure pentatonique en do dièse est égal au cosinus de do. Non, c'est savoir, ok, pourquoi ça fonctionne sur tel accord quand j'utilise telle gamme? Pourquoi ça fonctionne quand j'utilise tel doigté, quand je veux faire une improvisation? Pourquoi c'est sûr de fonctionner si en plus je mets telle nuance, telle rythmique, tel type de timbre dans ce genre de musique? Tu vois, c'est plutôt ce côté-là, en fait, tu vois, que j'appelle théorie, parce que ça va dans la catégorie théorie. Et du coup, une fois que tu approfondis un peu plus tes connaissances, tu vois que c'est sans fin. Et déjà, c'est vrai, c'est sans fin, mais le plaisir est quasi instantané, en fait. Tu vois, il y a une masterclass que j'ai faite dans l'université, beaucoup d'élèves en parlent, c'est sur les sargames, sur la musique indienne. Et plein d'élèves étaient là, ouais, moi j'ai des problèmes d'oreille, j'arrive pas à reconnaître les notes, les intervalles, tu vois. Et ils ont regardé la masterclass, ils ont assisté en live, ils ont regardé en replay, peu importe. Et c'est genre, bah, moment haha, déblocage direct, instantanément. Et l'idée, c'est ça, en fait, tu vois, c'est juste de. T'es pas obligé de faire comme tout le monde, essaye de trouver ton truc à toi, qu'est-ce que tu veux accomplir avec ta basse? C'est où que tu sens que tu es bloqué? Est-ce que tu sens que tu es bloqué rythmiquement? Est-ce que tu sens que tu es bloqué harmoniquement? Est-ce que tu sens que tu es bloqué mélodiquement? Est-ce que c'est un mélange de tout ça? Si oui, est-ce que tu arriverais à mesurer avec un peu de recul, genre, je pense que mon sens mélodique, parce que j'ai jamais vraiment joué de mélodie à la basse, il est de 1 sur 5. Je pense que mon sens technique sur 5, il est plutôt de 2,5, parce que j'arrive à faire ça. Ça me paraît un peu chiadé comme une basse, etc., etc. Tu vois, puis ensuite, ça va être beaucoup plus facile. D'avoir du recul là-dessus, et ensuite ça va être beaucoup plus facile pour toi de savoir quelle action entreprendre pour avoir du résultat. Bonsoir, toi! C'est cool. Ah, il y a Sylvain qui dit, question de geek, du coup, l'app c'est du full natif, c'est du React natif, si tu veux tout savoir. Voilà, donc j'ai appris, je suis encore en train d'apprendre tout ce qui est Node, même si je t'avoue, je comprends rien, j'ai plein de trucs explicatifs à côté, et des formations, j'en ai 7 que je suis encore actuellement, ça, du JavaScript, du CSS, etc., du HTML, et tout ce qui concerne de la synchronisation de API. Voilà, super, hein, c'est sexy, mais j'adore quand même, parce que je sais que ça va m'aider à améliorer le blog bassistpro.com aussi, et l'université davantage, donc pas de pitié. On se fait pas de cadeaux, c'est comme ça qu'on avance. Alors oui, j'ai changé mes cordes et réglé mon chevalet, tout va bien. Ah, c'est génial! Eh ben voilà. Tu vois, c'est vrai que j'ai fait un tuto là-dessus. Je sais plus qui posait la question tout à l'heure vis-à-vis des cordes. Tu peux regarder sur la chaîne YouTube, il y a un tuto là-dessus. Et du contenu additionnel dans l'université en plus. Gratuit. Alors, dans la recherche d'un groove, toujours dans ma recherche de la chanson de Nougaro d'Armstrong. Ah, ok. Par rapport à ce que tu disais. Alors, je sais plus ce que tu disais du coup avant. J'arrive pas à suivre. Ah oui, par rapport aux intervalles. Doit-on faire attention aux intervalles? Absolument. Si tu apprends d'oreille, la première chose à faire, c'est de faire attention aux intervalles si tu veux retranscrire tout de suite sur l'instrument. En fait, il y a plusieurs écoles, dit la photocopieuse. C'est-à-dire que tu peux soit écouter la musique en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, et tu la connais par cœur, tu arrives à chanter les notes en même temps que ce qui se passe. Du coup, ça va déjà t'aider à jouer sur le manche et le faire en même temps, chercher note par note. Ou alors, pour ceux qui ont appris la théorie musicale, l'écriture, etc., tu écoutes le morceau, tu cherches note à note et tu mets sur une partition pour avoir des repères. Voilà. Il n'y a aucun des deux n'est meilleur que l'autre. Si tu peux tout faire, c'est un plus. Si le solfège, la théorie, ça te saoule, bah, le fais pas.
apprends d'oreille. Il y a plein de musiciens qui jouent terrible et qui savent pas lire la musique, qui ont une technique de fou, qui improvisent comme des fous, qui sont créatifs comme des fous, qui savent pas lire la musique, c'est pas voilà. Mais ce qui est important, c'est que tu sois aligné avec ce que tu ressens. C'est là où tu vas gagner le plus de temps. Quand tu es aligné avec ce que tu ressens, boum, bah t'es inarrêtable, encore une fois, t'es une flèche et tu traces, tu bourrines et bam, t'es obligé d'avancer en fait. T'es obligé de réussir, t'as pas le choix. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de commencer comme ça. Et du coup, ouais, moi je pense que c'est une bonne idée pour toi, tu vois. T'écoutes le morceau et tu cherches seconde par seconde quelle note c'est. Ta, té, ta. Ah, c'est ces trois notes-là, cool. Té, la, ta. Et tu vas note par note. Et voilà. Et même si ça paraît laborieux comme ça, je te rassure, on est tous passés par là. Et ça peut même encore nous arriver, peu importe le niveau qu'on a. Ça n'a rien à voir avec le niveau. C'est juste des fois, c'est la qualité de l'enregistrement, comment la basse a été mixée. Si tu l'écoutes sur les enceintes, ah, t'entends la basse, mais t'as pas vraiment beaucoup de définition. Alors que si tu l'écoutes sur un casque, tu vois, ah là, déjà, tu vas faire, ah ouais, j'entends mieux la basse. Ah bah, du coup, je vais utiliser un logiciel pour couper certaines fréquences et que les basses ressortent mieux. J'ai pas dit booster les basses. Couper les autres, c'est mieux, toujours. On coupe ce qu'il y a autour et on laisse la basse. Et en plus, bah ok, j'arrive mieux à me concentrer uniquement sur la basse comme ça maintenant et j'apprends, tu vois. Donc tout est bon à prendre. La seule et unique chose qui compte, c'est le résultat. Chaleur. Alors, Julien qui dit c'est bon, quel bon. Absolument. Absolument. Il y a plein de morceaux de Daniel Warwick que je me suis amusé à transposer. C'est pas dans la tonalité originale, parce que la tonalité originale, c'est. Un mi-ton au-dessus en la bémol mineur, si ma mémoire est bonne. Et moi, je me suis amusé à mettre ça en sol mineur. Parce que c'était plus simple pour utiliser des cordes à vide à la basse. Et pour après harmoniser au piano aussi. Enfin bref. Alors, moi, j'ai un petit problème avec le groove quand je me mets à interpréter un morceau. C'est pas pareil. La manière dont moi je fais, ça groove comme une carotte mouillée. Alors, encore une fois, faut pas être dur avec toi-même. On fait tous ce que l'on peut, du mieux que l'on puisse. C'est aussi simple que ça, tu vois. Que tu grooves comme une carotte, ou comme un chou-fleur, ou comme un porciné, peu importe, tu grooves déjà, c'est cool. Tu vois, il y a des gens, des fois, qui groovent même pas, ou qui ont même pas conscience qu'ils groovent, ils pensent qu'ils groovent, enfin, tu vois, c'est faut être cool avec ça, tu vois. Donc, déjà, je t'invite, parce que encore une fois, c'est pas pour que parler de l'université, mais le forum est gratuit de l'université Groove Like a Pig, donc je t'invite à venir publier une vidéo, tu vois, avec cette même question, voilà, regarde le groove que j'essaie de faire. Si c'est une reprise, bah, dans ta vidéo, fais écouter la reprise. Ensuite, tu joues par-dessus. Hop. Et là, je pourrais te conseiller, ce sera beaucoup plus efficace que de t'auto-descendre toi-même. Ça, tu vas pas t'aider en faisant ça, en fait. On fait tout ce qu'on peut du mieux que l'on puisse. Tu vois, moi, je suis pas, encore une fois, je suis pas un jazzman. Voilà, peut-être que les jazzman, quand ils m'écoutent, ils se disent, c'est quoi ce mec, c'est une arnaque, c'est pourri ce qu'il fait, tu vois. Et je m'en fous. Moi, je dors bien. Tu vois, je cherche pas à prouver quoi que ce soit. Mais ce qui est important, tu vois, c'est de pas t'auto faire mal. Tu vois, la musique, c'est un plaisir, qu'on soit professionnel ou pas. La musique, c'est un plaisir. T'es là. Si on choisit tous, voilà, comme je dis toujours, de prendre, c'est juste une pièce de bois avec des cordes qui ferait donner des vibrations sur lesquelles on va pleurer, on va sentir bien. C'est comme un truc de malade, tu vois. C'est juste a piece of wood. C'est juste un bout de bois. C'est un bout de bois avec des cordes en métal sur laquelle tu vas jouer des trucs. On va faire « Ah, chérie, viens, on va se faire un câlin. » Ou « Viens, ça me rappelle des souvenirs. » Tu vois, c'est juste malade. Donc, il faut garder cette magie-là. Elle est super méga importante. Et pour ça, tu dois pas t'auto-saboter. Tu dois arrêter d'avoir des monologues genre « Ça ouvre comme une carotte, je suis merde, j'arriverai pas, je suis trop vieux, je suis trop con. » Non ! Dire ça. Tu fais ce que tu peux du mieux que tu le puisses. Voilà. Et en ayant conscience, par contre, de ce qui ne va pas, et en analysant ce qui ne va pas, on peut déterminer du coup où on doit mettre l'action. Je dis bien l'action et pas les actions. On commence avec une action déjà qui va donner du plaisir et qui va te permettre, tu vois, de débloquer une chose. Ça se trouve, tu vois, t'as un blocage avec des grilles d'accords. Quand t'as pas de grille d'accords, tu joues super bien, tu vois. Et quand il y a une grille d'accords, ça te bloque. C'est là genre ah. Mais c'est un truc, c'est dans ta tête. Et en fait, ce qu'il faut, c'est trouver d'où ça vient. Pourquoi? Comment faire sauter ça avec des petits exercices rigolos tant qu'à faire, tu vois? Et une fois que t'as ça, boum, tu te rends compte que tout est faisable. Et qu'après, du coup, bah, faire des gammes, faire ceci, faire cela, un peu théorie, reprendre des covers, revenir à la théorie, refaire des covers, jouer en groupe, etc., bah, ça a du sens. Tu vois, il faut trouver l'équilibre. Faire que de la technique, que de la théorie, c'est chiant. Faire que des covers, bah, tu vas tourner en rond, tu vas toujours faire la même chose. Tu vois, donc, il faut
il faut un ratio de, tu vois, il faut que ce soit équilibré. Tu vois, c'est comme l'alimentation. Si tu manges que des tu vois, carbs, tu vas être fat, tu vois, et si tu manges que des légumes, t'as pas d'énergie. Donc, il faut un ratio des deux. Tu vois, voilà, je dis ça parce que je me suis remis au sport à fond et ça m'aide aussi à tenir pour l'application, tout ça. Bon, l'Indolam à 60 BPM, c'est mieux, la vitesse viendra plus tard. Yes! C'est cool que tu t'attaques à Indolam. Donc, c'est un rag du sud de l'Inde. Voilà, c'est un morceau que j'enseigne dans la formation sur les pentatoniques. Et Véronique s'est attaquée à ça. C'est un morceau que j'ai créé. Et vraiment, bah, je suis super méga content parce que tu vas développer ton groove de fou et ton placement rythmique. Il y a plein de syncopes dedans, il y a plein de trucs badass à apprendre, c'est cool. Et c'est bien en plus de le bosser lentement parce que ça va vraiment t'apporter tout le détachement des notes, la précision chirurgicale qu'il faut avoir après quand tu vas jouer avec les batteurs, et que tu vas vouloir jouer des débits, ils vont faire hey, I like this woman. Ça va être cool. Merci pour la réponse. Pour le côté naturel que je cherche à obtenir, c'est le côté chantant et rythmique que tu as. Alors pour ça, ce que je t'invite à faire, c'est contre-intuitif, pose ta basse, fais que du rythme. Non, c'est vrai. En fait, tu peux pas avoir une mentalité de rythmicien si tu ne fais pas de rythme. Tu vois, c'est comme tu peux pas devenir pâtissier si tu fais jamais de la pâtisserie. Ça peut paraître con comme ça, désolé, mais tu vois. Tu prends une percussion, peu importe laquelle. Moi, j'aime bien les casse-casse, pour faire simple. Tu vois. Tu prends juste une percussion comme ça. Et juste, même si tu fais que ça, déjà, c'est cool. Parce que tu développes quelque chose. Tu développes ta pulsation interne. Tu développes ton bon sens rythmique à un certain niveau, peu importe, on te demande pas d'être le Steve Gadd de la percussion que tu vas étudier, tu vois, mais juste de t'amuser. Tu fais ce que tu veux, même si tu fais n'importe quoi, tant mieux, j'ai envie de te dire. Tant mieux. Pourquoi tant mieux si tu fais n'importe quoi? Parce que tu vas t'amuser. Tu vois, il faut savoir enlever la partie cérébrale où je cherche à tout contrôler. Donc moi, déjà, je serais toi, je ferais ça. Je prendrais une percussion. Là, j'ai mon rhythm gamme. Je pratique une heure. Hop. J'ai enlevé la patte. C'est l'ancêtre du tabla. J'ai une patte que je mets ici, une patte à fixe. Ça me permet de faire des gays comme sur les tablas. Et là, bah, c'est... Là, c'est pour faire mes nam, tom, etc. Et en fait, moi, j'ai développé mon sens rythmique avec les casse-casse et cette percussion. Voilà. Donc, pauvre voisin. Ça fait beaucoup de bruit. Mais voilà, je m'amuse à toujours, encore aujourd'hui, tu vois, à pratiquer du 5 temps, 17 temps. Je fais des choses très simples. Mon but, c'est pas d'être un percussionniste. Même si quelque part, je me suis rendu compte à un moment donné dans ma carrière professionnelle que j'étais un percussionniste frustré et que j'aurais dû faire carrière à la percussion et pas à la basse. Mais c'est pas grave. Tu vois, j'avais pas envie de tout recommencer à zéro, j'avais pas le courage pour ça. Mais par contre, ça m'a énormément aidé, ça m'aide encore énormément aujourd'hui. Tu vois, quand je pratique les casse-casse ou ça, c'est comme ça que je compose mes morceaux. Par exemple, les lundi groovy, il y a plein d'idées, c'est quand je travaille mes percussions, je travaille des patterns où je suis en train de chanter un pattern sur les doigts, tu vois, en utilisant un ditalam, je me chante groove. Et puis après, bah, j'ai toute la partie de batterie, boum, dans mon esprit, c'est clair, comme je vois la caméra là tout de suite. Tu vois, et du coup, bah, je fais juste une transcription de ce que j'entends, etc. Donc, déjà, premièrement, sens rythmique, joue une percussion. Ça peut être un tambourine, tu vois, ça peut être, quand je vivais à Paris, tu vois, au début des années 2000, quand je suis arrivé, je prenais des cours aussi de pandeiro brésilien. Tu peux prendre un pandeiro, tu peux prendre une ganjela, peu importe. Tu vois, l'idée, encore une fois, c'est pas de révolutionner un instrument. Et il y a des gens qui vont se moquer, on s'en fout, tu te prépares aussi à tout ça. Psychologiquement, c'est important, ça va te rendre plus fort. Mais encore une fois, tu sais pourquoi tu fais les choses. Donc voilà, tu choisis un instrument. Après, pour le côté chantant, bah, il faut que tu chantes. C'est con, encore une fois, tu vois. C'est très simple, mais il faut que tu chantes. Trouve un musicien qui te donne envie de chanter. Moi, dans les musiciens africains, il y avait Salif Keita, Richard Bona, Oumou Sangaré, avec qui j'ai eu la chance de pouvoir jouer dans ma carrière. Après, je sais pas, tu peux prendre des instruments. Donc, pour rester dans le répertoire musique africaine, il y avait Ali Farka Touré, qui est un de mes guitaristes préférés. Tu vois, son album bien funky, tu prends des trucs comme ça et t'essayes de le chanter.
même si des fois il y a des trucs, ça te paraît inchantable, t'essaies de faire ce que tu peux avec ta voix, et puis après tu mélanges tout ça sur ton instrument. Voilà, aussi simple que ça. Ou s'il y a des instruments, t'entends des mélodies de fou, enfin tu vois, moi par exemple, pour donner des exemples concrets, j'adore la vina, c'est l'ancêtre du sitar. C'est un instrument qui vient d'Inde du Sud. Il y a plein de phrasés, tu vois, dans la vina, des glissés qui sont juste magnifiques, tu vois, je vais mettre pas le son trop fort pour les voisins, des phrasés du genre... Tu vois, tu t'amuses et t'essayes d'imiter en fait du mieux que tu peux. Ce sera forcément imparfait au début et peut-être encore après. Et so what? L'idée, tu vois, c'est de te rapprocher tous les jours un tout petit peu plus de ton goal, de ton objectif en fait. Et surtout, à chaque fois que tu avances sur la route, d'avoir du plaisir et de pas te t'auto-saboter, genre. Oh, j'y arrive pas, ouais, c'est trop loin. Faut pas tomber, tu vois, dans ces trucs-là, parce que c'est facile de s'auto-décourager, tu vois. C'est plus facile de s'auto-décourager que de s'encourager, c'est normal, tu vois. Et surtout, il y a un truc qui, je vous partage ça parce que c'est vrai, on surestime toujours ce qu'on est capable de faire sur un an et on sous-estime ce qu'on est capable de faire sur un court laps de temps. Donc pour ceux qui connaissent ma pédagogie, mon travail, tout ça, je vous parle toujours de 30 jours, 60 jours, 90 jours maximum. Parce que t'es capable en fait de réaliser plus de choses de ouf en 30 jours, en 60 jours, en 90 jours, c'est un trimestre, que de dire, dans 5 ans, je vais devenir le prochain Jaco, je vais tuer Linné, puis après je vais être le prochain Richard Bonnat. Non, 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 bosse comme un fou de manière organisée. T'es même pas obligé de bosser comme un fou, c'est pas du boulot, mais tu vois, mais fais des choses intelligemment, c'est ça que je voulais dire. Fais des choses intelligemment, mais ne sous-estime pas ce que tu es capable de réaliser sur le court terme. Tu vois? Donc, voilà, si je peux te partager un conseil de manière transparente et la plus honnête, ce serait ça, par rapport à ta question. Alors, ou alors, groover. Alors, attends, j'ai pas vu la question. Question super bête, j'ai dû louper, lol. En quoi consiste groover? C'est idem à jouer tout simplement de la basse. Alors déjà, premièrement, Julien, aucune question n'est bête. Tâche de te rappeler de ça, c'est super important. Les questions sont faites pour être posées. Donc il n'y a aucune question bête. Voilà, juste petite parenthèse. Ensuite, groover, c'est quoi? C'est une excellente question. Pour moi, groover, c'est lié à la danse. À partir de peu importe le genre musical, on va dire, ouais, mais ça, c'est funky. Ouais, mais ça groove. Ça peut être de la funk ça groove, tu vois, si c'est bien joué, tout en fait peut être groové. Back, si tu joues en groove, vu comment c'est monstrueux harmoniquement avec les renversements, tout ça, tu peux faire groover back et le rendre ultra méga sexy, c'est génial, tu vois, il faut juste pas le rendre de manière académique, parce que ça a été institutionnalisé, on joue comme ça, pom, 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 en tirant le tempo comme des romantiques, alors qu'il faut jouer ça comme du rock, tu vois, bref, petite parenthèse. Mais en fait, le groove, Si t'es en train d'écouter un morceau et t'es là, ça peut être du reggae, peu importe le style, ça groove. Pourquoi? Parce que t'as envie, ton corps bouge, tu ne peux pas résister, tu peux pas écouter un truc qui groove vraiment et tu restes droit comme un poteau. Enfin, tu vois, c'est pas possible. Tu vois, yeah, déjà, t'as le smile. That feeling. Oh yeah, that's right. Yeah, you know. Voilà, ça te met en joie. Tu partages une vibration, tu partages une émotion. Donc voilà, c'est pas une question bête, tu vois. Et en fait, ça n'a rien à voir avec l'instrument. Tu peux groover avec des cuillères à café. C'est pas une blague. Comme tu peux groover avec un pandeiro brésilien, ce que tu veux, en fait. Tu peux groover avec une guitare, tu peux groover avec ta casquette, tu fais ce que tu veux avec des cascasses. Enfin, tu vois. Donc, ouais, pour moi, le groove, si on pose la question, pour faire simple, tu vois, et pour pouvoir répondre à tout le monde, le groove est lié à la danse. Si j'ai envie de danser, ça peut être de la musique tzigane, tu vois, des violonistes tziganes, contrebasse, tout ça, des ensembles. Ah ouais, franchement, t'as envie de faire la fête, t'as envie de prendre de la tsuika, c'est de l'alcool fort. Je bois pas d'alcool, mais je me mets dans un délire, tu vois. C'est de l'alcool de prune tsuika roumain. T'as envie de prendre de la tsuika et t'es tu vois. Et faire allez, c'est parti, tu vois. Et puis voilà, d'aller faire la fête et tout dans la campagne et t'amuser, de manger des mitités, des saucisses et tout ça et de faire la fête en Roumanie, en Hongrie et compagnie. J'adore ce coin, cette partie du monde. C'est juste magnifique.
Alors, ou alors groover, c'est vraiment la vibe qui apporte le viens, on se fait un câlin. Non, ça c'est encore autre chose. Ça c'est une déclinaison du groove. C'est l'effet qui se coule. Tu vois, parce que ça groove et que ça t'a mis dans un état, il y a un résultat. Tu vois ce que je veux dire? Le groove permet de libérer cette émotion-là. Bonsoir tout le monde, salut! Salut Vince! C'est cool de tous vous voir ce soir, ça fait trop plaisir. Alors j'ai deux questions concernant du matos. Allez, vas-y, fais péter. J'ai fait l'acquisition d'une jazz bass Marcus Miller Signature Japan, ok? Et il paraît que le préamp est très critiqué. Ouh là là, alors moi je suis vraiment la mauvaise personne pour ça. Alors je vais dire pourquoi. Tant que j'ai pas entendu le son, je peux pas dire oui tel modèle parce que je ne jure que par l'expérience, le fait de tester. Donc pour que je puisse t'aider concrètement, je t'invite si tu l'as hein, parce que tu as fait l'acquisition, tu as dit enregistre-toi, je sais pas, pendant une minute ou deux et viens le publier dans le forum. C'est gratuit dans le forum de l'université pour la copie. Donc viens le publier et je te dirai ce que j'en pense. Je t'amuse à faire aussi des tests de réglage. J'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube qui s'appelle « Comment régler son ampli basse ». Je t'invite à suivre les instructions qu'il y a dans cette vidéo et de faire pareil quand tu fais la vidéo que tu vas publier dans l'université. Comme ça, moi, je peux dire « Ok, telle fréquence, c'est vrai, c'est pas tip-top, mais bon, c'est pas non plus la mort. Ah ouais, là, ils ont abusé par rapport au tarif. Oh, oui, franchement, tu vois. » Mais fondamentalement, c'est pas... Enfin, tu vois, moi, j'ai pas des préambles de fou, c'est que des trucs Warwick. Ce qui est vraiment fou, c'est la qualité du bois. Et là, les micros, c'est des MEC. Enfin, tu vois, on fait mieux que ça. Tu vois, c'est des doubles humbuckers. Mais moi, je perds pas trop de temps là-dessus. Je passe plutôt du temps à me dire, OK, comment ça sonne et comment je peux m'amuser à le faire sonner. Ce qui est critiqué, au final, qui critique ça? Des professionnels, des amateurs? Qui critique ça? Des personnes qui s'y connaissent vraiment ou des personnes qui sont tout le temps en train d'acheter du matos pour avoir le dernier son de ouf parce qu'ils s'assoient pas derrière l'instrument, justement, pour faire ce qui doit être fait. Tu vois, ce qui doit être fait, il n'y a pas de secret. Tu vois, c'est important. Donc voilà, si je peux t'aider de la manière la plus transparente, c'est ça. Filme-toi et viens publier une vidéo dans l'université et je te dirai oui, là, par rapport à l'alliage des bois, comment c'est assemblé, tout ça, ça pourrait être mieux. Ou alors, ta basse, elle a juste besoin d'un réglage. Souvent, ça aussi, c'est très... Pourquoi j'ai tout le temps envie de parler anglais, parce que je parle anglais ici tout le temps. C'est très sous-estimé. Tu vois, c'est que, en fait, tes micros, l'inclinaison, ça peut paraître bête comme ça, mais l'inclinaison de tes micros a une extrême importance dans la manière dont tu vas faire sonner ton instrument. Donc, une chose aussi que tu peux faire, au lieu de suivre les critiques de la masse qui est à la masse, la majeure partie du temps, c'est de te faire ton propre avis. C'est-à-dire, OK, je vais remonter le micro touche, ce côté-là, par exemple le côté bas du micro-touche, pour voir comment ça sonne quand j'utilise le blend. Ok, maintenant je vais baisser ce côté-là du micro-touche et monter ce côté-là. Ah ouais, là j'ai peut-être plus de fat, c'est peut-être plus gras. Ah ouais, bon par contre j'ai moins de définition, donc je vais le baisser un peu et remonter là. Tac, maintenant au niveau de l'attaque, tac, tac, et de faire tes propres tests. Tu vois, tu peux même te filmer en faisant tes tests, comme ça si tu as peur d'oublier des choses dans ton process, et même noter en même temps, genre voilà, à telle heure j'ai fait tel test, le micro était à peu près réglé, il y avait tant de tours de tournevis, si ça peut t'aider, tu vois, au début, et ça va changer vraiment beaucoup de choses, tu vois, parce que je pense que tu donnes n'importe quelle basse à Marcus Miller ou à Richard Bonnat, ils s'en foutent du préampli, et let's go, ça groove, ça sonne. Tu vois, donc il faut pas rentrer dans une psychose de matos, ah, on m'a dit que les gens disent, fais-toi ton propre avis. Si quand tu prends ta basse et que tu fais, je sais pas, et que t'es content, t'es satisfait, bah c'est tout. La vie des autres, on s'en tape, au final. Si tu fais... Et que ça sonne bien, que c'est précis, that's it. T'as besoin de rien d'autre, that's it. T'as juste maintenant besoin de t'asseoir et de développer ta personnalité avec ton instrument, ton plaisir, de développer ton discours, de développer ton ressenti, ce que tu as envie de partager avec le monde. Tu vois, c'est ça le plus important. Je pense. Dis-moi si ça t'aide ou pas aussi. C'est super important. Alors, merci pour la réponse. J'aimerais si possible avoir le lien du forum dont tu t'apprêtes à évoquer. Dont tu t'apprêtais à évoquer. C'est encore Bernie, tu disais groover comme une carotte mouillée. Ben en fait, il faut que tu t'inscrives sur bassispro.com.
Voilà, tu verras, il y a toujours des formulaires qui apparaissent, des pop-up. Tu mets ton prénom et ton email, ça va te créer un compte gratuitement dans l'université Groove Like a Pig. Et une fois que tu es connecté, moi, j'invite toujours les élèves à venir se présenter. Donc, présente-toi dans le forum. Tu verras, il y a plein de choses. C'est extrêmement bien organisé. Alors, c'est pas pour être en retard, j'ai bossé comme un fou pour ça. Et ensuite, tu viens, tu partages ta vidéo. Et si tu sais pas comment on fait pour partager une vidéo, tu cliques sur support une fois que tu es connecté dans l'université, sur support tout en haut à droite. Et j'ai fait un tutoriel pour expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Pas à pas, étape par étape. Et encore une fois, c'est gratuit. Claude Chipotel pour prouver et c'est Tekere de Salut Keta. Oui, c'est vrai que je l'ai fait. C'est sur la chaîne YouTube d'ailleurs, ce morceau. Tekere. Ah oui, et pour ceux qui sont motivés, on refait avec l'équipe en ce moment une offre, c'est-à-dire qu'on propose un accès à vie à l'université Groove Like a Pig. Donc pour ceux et celles que ça pourrait intéresser, je mets le lien là à l'écran. Donc je vous invite à taper ça dans votre navigateur, c'est bassispro.com/uglap-lifetime. C'est vrai, je pense tout en anglais parce que je parle anglais tout le temps ici. Même si mon estonien a un petit peu progressé, mais pas tant que ça, je l'avoue. Parce que je parle plus facilement en anglais, ça sort. Alors, deuxième question, ce qui concerne l'amplification. Est-ce qu'un ampli BAF SWR d'occasion est autant efficace, sinon mieux que Marc Bass pour le funk, la fusion, le slap? J'hésite, mais je connais peu. Alors, SWR, c'est dommage d'ailleurs que cette marque n'existe plus, c'était une tuerie. Franchement, si les BAF sont d'une bonne... c'est-à-dire d'une bonne qualité, ont bien été... j'arrive pas à parler ce soir, dis donc. Si les baffles ont été bien conservés, ouais, je t'invite à faire le test avant d'acheter. Et ouais, carrément, parce que c'est dynamique, ça a la patate. Ou même encore art que... Moi, je suis pas un grand fan de Marc Bass. Tu vois, j'évite tous les trucs qui sont à la mode, parce que c'est la mode, ça fait toujours ça. C'est une courbe, tu verras, ça fait toujours ça. Tic, c'est la mode, tout le monde suit la mode, tout le monde suit la mode, suit la mode. Et puis au bout d'un moment, on arrive à un point où ah, c'est la mode, paf, s'explose et chute, ça se casse la figure. Donc l'idée, tu vois, il y a des marques qui sont là depuis longtemps, c'est pas pour rien, et qui font vraiment un vrai travail de son, et qui est pas juste là en train de sponsoriser. Alors c'est pas pour cracher sur Marc Bass, j'ai rien contre eux, mais qui est pas juste là en train de donner de l'argent à des artistes. Allez, promo-moi, fais ma promo, tu vois. Moi, j'ai jamais été fan, ça me touche pas, mais après, ça ne concerne que moi, je ne suis pas Dieu. C'est important de se faire son propre avis, et peut-être que mon avis n'est pas du tout objectif, mais moi, je fuis ces machins-là. Tu vois, j'aime bien Ampeg, ça dépend en plus de comment de quelle basse tu vas utiliser, tu vois, de l'alliage des matériaux. Par exemple, ma Warwick sur Ampeg, ça marche pas. Tu vois, ça marche d'enfer avec une précision, une jazz basse, ou les trucs comme ça, Thunder, ou même des amplis Thunder. Mais par exemple, ma basse, je l'adore sur ce que j'utilise là, Tête Esch 1000 watts. En plus, c'est facile pour voyager, je la mets dans mon sac à dos. Ou alors, j'adore la Warwick avec Art Queue, ça sonne d'enfer. Tu vois, et pourtant, quand je jouais jazz basse, je détestais sincèrement Art Queue. J'étais genre, ah, parce que je comprenais pas, j'avais pas étudié tous ces machins dynamiques, le son, les fréquences, tout ça. Et c'est quand j'ai commencé à bosser avec Trilock, j'ai vu les limites d'une jazz basse et de ces basses là. Quand tu fais des grosses scènes devant, je sais pas, plus de 10 000, 20 000 personnes minimum, tu dis, ouais, bon, c'est bien, mais il faut que l'ingé son, il pousse le compresseur derrière des BX 160 et tout le bazar. Mais la basse, c'est le même. Si tu laisses le signal, c'est juste, il se moudit, quoi, à moins d'avoir vraiment une basse d'exception, tu vois. C'est pas mon délire. Par contre, ça fait toujours bien visuellement d'avoir une jazz bass, parce que, ou une P-bass, tu vois, parce que c'est la basse. Mais voilà, pour faire des trucs un peu plus chiadés en son, tu vois, s'amuser avec des fréquences, je préfère ce genre d'instrument, en fait. Mais voilà, c'est personnel, encore une fois, ça ne regarde que moi. Moi, j'aime bien quand je fais un slap, paf, c'est tight. Il y a une réponse qui est tout de suite. Il n'y a pas de latence, c'est pas genre tac-tac. On me dit, bah tiens, je vais mettre un compresseur, je fais ça. Non, c'est tout de suite, je prends ma Warwick, je la branche en direct. Boum, je joue au doigt, je suis en studio, boum, ça sort, tu vois, c'est juste magique. Mais voilà, après, c'est un autre travail avec le son. J'espère que ça répond à ta question. Alors, super, merci, je vois exactement ce que c'est le groove maintenant. Je dois y aller, moi, il fait tard à la réunion. Ouais, tu m'étonnes. Je finirai le replay, bonne soirée à tous, et groove like a pig. Ok, avec grand plaisir, Julien, merci d'être passé. Alors, Vince qui dit « Merci Johan, mais je n'oserai jamais toucher les réglages, je suis trop ignare et obligé de passer par un luthier de peur de tout dérégler. » Mais non,
Ah oui, tu veux dire pourquoi? Pour le réglage de tes micros ou parce que c'est rien du tout, hein. C'est juste une vis, tu changes et ça va changer la fréquence. Donc c'est soit, en fait, je vais exagérer, c'est pas un bon exemple, mais c'est pas grave, c'est pour que tu aies une idée. C'est soit tu vas gagner en clarté, tu fais ça, parle comme ça, tu gagnes en clarté, ou alors quand tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, ton son va devenir comme ça. Donc on l'entend toujours, mais c'est un petit peu moins clair parce qu'on a récupéré certaines fréquences qu'on voulait pas, du gras, des aigus qui sont pas contrôlés, des fiou, des trucs comme ça. Mais après, quand tu changes le réglage, ah, on gagne en clarté et c'est beaucoup plus propre et on comprend mieux, surtout si on détache les mots avec les doigts. Tu vois, c'est ça qui est important surtout. Donc n'aie pas peur, fonce et tu vas pas casser ta basse. Mais si vraiment t'as peur, enfin, en fait, ce serait dommage d'aller voir un luthier juste pour faire des tests de micro. C'est bien d'aller voir un luthier pour le réglage du manche, la routine annuelle, tu vois, etc., etc. Mais après, je ne peux pas te forcer à le faire. Tu fais comme tu le sens. Claude, alors, tu peux organiser un voyage musique en Estonie, travaille le matin et visite l'après-midi. Bah, c'est ce que j'avais prévu avant qu'il y ait ce Covid! C'est vraiment plus. Parce que bah, j'ai acheté une maison à côté de la forêt et je voulais qu'on se fasse un base camp nature, yoga et nourriture healthy, tout ça avec cuisinier et tout. Mais on va attendre que tout ça se calme. Parce que même si je vous fais venir en Estonie, vous allez avoir une quatorzaine à respecter. Voilà, parce qu'en plus en Estonie, ils sont ultra méga sérieux, c'est-à-dire que la police vient voir souvent si t'es vraiment chez toi. Et comme t'habites pas ici, quand vous habitez pas ici, bah voilà, vous n'allez pas faire des courses. Normalement, vous êtes censé vous faire livrer à manger, des trucs comme ça. Donc, si vous n'êtes pas à l'hôtel ou dans votre Airbnb, vous risquez d'avoir des soucis. Donc, on va pas jouer avec le feu et on va attendre que tout ça se calme. Mais carrément, j'ai déjà mon plan en tête de toute façon. Donc, alors, j'avais essayé un Goliath 4x10 SWR à l'époque et purée, je voulais plus partir du magasin. Mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes, Vince. C'est une super marque. C'est une super marque. C'est dommage qu'elle n'existe plus d'ailleurs. Voilà, donc je vais attendre si vous avez d'autres questions. Je remets aussi le lien pour ceux qui voudraient s'inscrire à l'université et avoir un accès à vie. Donc je rappelle que bah, on a remis ça en place comme il y avait le confinement. Parce que d'habitude, on ne le fait pas. Et du coup, pour ceux et celles qui s'inscrivent en règlement comptant, vous allez avoir accès à du coaching, à 3 sessions de coaching. Voilà, à la carte avec moi. En plus d'avoir accès à toute l'université. Voilà. Donc j'attends si vous avez des questions. Encore. C'est cool de refaire des lives. Ça m'avait vraiment super manqué. Donc je rappelle qu'on va se revoir bah, régulièrement pour pouvoir voilà, apprendre une chanson en direct en live. Ça va être sympa comme concept. Moi, je continue à travailler sur l'application. Je vais vous faire d'autres vidéos. Voilà. Je vais vous montrer d'ailleurs où j'en suis aujourd'hui via ce live. Parce que c'est quand même pas rien ce qui a été fait. Donc, les notifications déjà fonctionnent. Ça, c'est cool. Je suis super content. Merci, Joanne, pour ta bonne humeur. Je vais vous quitter. À la prochaine. Quand tu veux, Claude, avec grand plaisir. Voilà, du coup, je sais pas si vous voyez, mais tout a été réorganisé. Voilà, par catégorie, je l'avais promis en fait dans la vidéo. J'ai publié sur les réseaux sociaux. Là, je suis en train de terminer des Groove Library. Donc, il va y avoir la blinde de Groove Library. Donc, j'ai fait du néo-soul parce que cette année, je me suis remis à fond au piano. Donc, du néo-soul, il y a du métal. Du hip-hop, cet après-midi j'ai fini le hip-hop. Il y avait quoi encore? Enfin, la blinde du blues. Vous allez voir, vous allez vraiment vous amuser, pouvoir improviser et jammer comme des fous. Et puis aussi, bah, j'ai refait toute la partie menu. Je ne sais pas si on voit avec les lampes. Mais enfin, que se passe-t-il? Allez, allez. Bon, si on ne voit pas, c'est par attention, je vous referai une vidéo. Et voilà, j'ai mis des couleurs, c'est trop beau, c'est trop mignon. Yes. Vous allez voir, ça va être super cool. Puis comme je vous l'ai dit, après, je vais intégrer l'accordeur, le métronome. Il y a un pass aussi, un pass, c'est-à-dire un chemin. C'est pas une animation, mais c'est du dynamique, je sais pas comment je pourrais dire ça. C'est interactif, voilà.
en fonction d'où tu es dans ta journée musicale et en fonction des réponses que tu auras fournies, bah, le pass va te dire, bah, tiens, va voir plutôt tel cours par rapport au résultat que tu veux. Si tu veux tel résultat en lecture ou en oreille ou en ceci ou en cela, va voir tel cours. Et une fois que tu as terminé tous les cours, que tu as eu tous tes diplômes, les confettis, tout qui va bien, il va t'orienter vers le prochain chemin, etc. etc. Donc ça aussi, c'est un chantier monstre, mais c'est beaucoup plus facile que de faire une app. Voilà. Alors, je vois plus vos questions. Oui, ça avance. Carrément. Alors, j'ai du mal avec les cours en ligne ou visio. Mais j'avoue que de tous les mecs qui proposent des vidéos de basse, tu as un groupe de malades dans les doigts. Funk, hip-hop. Masterclass, s'il te plaît. Bah, tu sais quoi, en fait, dans les Groove Library, quand je vais sortir tout ça avant la sortie de l'application, ce qui est prévu, c'est que je fasse des lives, mais que dans l'université, vis-à-vis de ça, justement, des Groove Library, on va étudier un groove, on va l'analyser, pourquoi j'ai joué au piano tel accord et pas un autre, pourquoi j'ai pris tel renversement, expliquer pourquoi, et ensuite, comment un bassiste résonne pour poser sa basse, tu vois, dessus. Comment il peut percevoir les accords et quels seraient instinctivement les premiers choix de notes. Tu vois, moi, je compose bah, pour moi énormément, mais je compose aussi pour d'autres artistes, j'ai des clients artistes, et du coup, bah, c'est les mêmes recettes, entre guillemets, que j'utilise bah, pour moi et pour mes clients. Voilà. Tout simplement, quand un artiste me dit bah, « Tiens, je veux que tu me proposes une chanson, une guitare, violoncelle, flûte, voix et une basse. Ok, bah, let's go, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi le résultat final que tu as en tête? Ah, ça, j'imagine tel morceau. Ok, donne-moi tes références. Tac, 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 tac. Et puis, je fais une synthèse. Ok. Ah, donc, en fait, tu sais pas le dire, mais harmoniquement, ce que tu veux, c'est un si bémol, comme ça, avec ça à la basse et un autre accord au-dessus. Oh, ok, bah, regarde. Bah, bah, la flûte va faire ça, la clarinette va faire ça, la violoncelle va faire ça, la basse va faire ça. Et ça marche, tu vois. Donc voilà, et encore une fois, c'est pas une question d'être un génie de quoi que ce soit, c'est juste de la créativité mélangée de la connaissance, de la théorie, avec ta sensibilité, etc. etc. Puis d'apprendre toujours d'être assez humble pour se dire, bah tiens, ça je ne sais pas, je ne connais pas, je m'ouvre à découvrir des univers musicaux que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Moi, je ne maîtrise pas du tout le reggae, par exemple. C'est pas une musique que j'ai eu la chance de pouvoir faire durant mon parcours, donc bah ça va, j'ai encore 50 ans, 60 ans, 70 ans à vivre, j'espère. Et du coup, bah, j'apprendrai à jouer du reggae comme il faut en temps voulu et avoir surtout l'expérience en groupe, c'est ça qui m'intéresse, c'est pas juste d'étudier des bassistes, etc., c'est de le faire en groupe. Donc voilà, si vous n'avez plus de questions, je vous laisse, si vous avez des questions, j'y réponds. Mais par contre, Vince, pour répondre à ta question, je vais quand même faire sur la chaîne YouTube, de temps en temps, c'est pas vraiment des tutos, mais c'est plutôt autour de l'improvisation avec un ou deux morceaux des Groove Library. Et ce que je vais faire, c'est que je ferai une longue loop, voilà, sur laquelle vous pourrez vous amuser sur YouTube aussi. Comme ça, personne n'est pénalisé. J'ai pas la philosophie de parce que tu n'as pas rejoint l'université Groove Lac Epic, t'as accès à rien. Non, ça, c'est, y a pas de ça chez moi. Voilà. J'ai conscience que des fois, ça peut être très compliqué pour certaines personnes, surtout vu la situation sanitaire, etc. Et voilà, j'ai énormément d'empathie, et je fais attention d'ailleurs, extrêmement attention à tout ça, mais j'essaie de faire toujours les choses de la manière la plus intelligente et éthique possible. Voilà. Alors, bah, y a d'autres questions qui sont arrivées, du coup c'est cool. Bonsoir Joanne, est-ce que tu peux aborder le choix de certains modes dans la création de lignes de basse? Ben carrément, en fait, c'est génial parce que c'est une des questions qui revient tout le temps en live, en masterclass, etc. Mais c'est génial. Alors, ben en fait, les modes voient ça comme, par exemple, utilisation du mode dorien et aéolien pour les accords mineurs. Ça, pour moi, ben déjà, je suis pas un grand théoricien. Enfin, j'ai pas passé 10 000 ans à faire de la théorie. Je connais ce qui me semble nécessaire pour faire de la musique, composer, etc. Donc, je vais donner une réponse qui est entièrement personnelle. Ça vaut ce que ça vaut. Pour moi, les modes voilés comme des personnes. T'as Martin, Jackie, Jean-Pierre, Michel et Jean-Philippe. Et en fait, chaque personne, c'est un mode. Il a son caractère, il a une couleur, une teinte de peau différente, une couleur de cheveux différente, une couleur des yeux différents, marron clair, marron foncé, tu vois, les yeux bleus. Et ils ont une personnalité. Ce sont des êtres avec des émotions particulières. Un est plutôt nostalgique, l'autre est plutôt romantique, l'autre est plutôt, je sais pas, teigneux,
tu vois, etc., etc. Et l'idée, en fait, c'est d'essayer de comprendre personnellement, donc pour toi, qui est le romantique, qui est le teigneux, qui est le mélancolique, et ensuite, en fonction de ta propre sensibilité, si tu es une personne un peu teigneux, un peu mélancolique, un peu romantique, etc., quel est le sentiment que tu as le plus. Moi, tu vois, je suis quelqu'un, j'ai la joie de vivre tout le temps. Je suis né comme ça. Je sais pas si je suis né comme ça, mais c'est aussi un choix, en fait, tu vois. Donc, je ne joue pas un rôle quand vous me voyez rigoler tout le temps. Je rigole tout le temps comme ça dans la vie de tous les jours. Alors, ça, bref. Et du coup, bah, tu vois, je me dis, quel est le mode qui me donnerait le plus de sourire, par exemple? Tu vois, qui me mettrait tout de suite un sourire dès que je l'entends, je le reconnais. Et waouh, il me donne envie de prendre ma basse, il me donne envie de chanter, il me donne envie de, je sais pas moi, de jouer des mélodies ad vitam aeternam, tu vois, non-stop. Bah moi, ça va être le mode lydien. C'est un de mes modes préférés, par exemple, tu vois, pour faire ça. Sa ni re ga ma pa ma ga re ni re sa ni. J'adore ce mode parce qu'en plus, à la basse, ça sonne juste monstrueux. Là, tu peux faire tout ce que tu veux, mais l'idée, au lieu de partir dans toutes les directions, de dire « Ok, je vais étudier tous les modes », oui, en fait, tu peux apprendre les modes, connaître leurs intervalles respectifs. Le dorien est égal à tel intervalle, à telle couleur, mais le conseil que je donne tout le temps et qui, pour moi, fonctionne le mieux, enfin pour les étudiants, c'est si par exemple t'as donné deux exemples de mode mineur, prends dorien et prends le mode éolien, bref, les deux fonctionnent, et te dire lequel te fait le plus vibrer. Est-ce que c'est celui qui a la sixte majeure ou celui qui a la sixte mineure? Et après, même si tu sais pas pourquoi, on s'en fout en fait, on fait pas de la psychologie. L'idée c'est de te dire, ah bah tiens, j'aime bien celui-là parce qu'en fait... sixte majeur, ouais, je sais pas, je vois de la lumière. Peut-être que c'est avec la sixte mineure que tu vois de la lumière. Et d'aller chercher les couleurs et dans les couleurs d'aller chercher les émotions. Donc là je refais do mineur, hop, avec la sixte mineur, avec la sixte majeure, la sixte mineur. Aucun des deux n'est mieux que l'autre, c'est juste différent. Et du coup ce qu'il faut c'est cultiver la différence, tu vois, de se dire ok, ça, je pense que je le développerai, par exemple, avec la sixte majeure. Je le développerai plus dans un contexte, nanani, nanana, quand je fais ça, ça, ça. Mais par contre, j'ai envie de m'exprimer tout le temps avec la sixte mineure. Il n'y a personne qui peut te juger. Parce que tu vas développer tes phrasés, tes placements rythmiques, tes placements mélodiques. Et il n'y a personne qui pourra t'imiter. Les grands musiciens, je ne sais pas s'ils ont compris ça, si c'est conscient et ou inconscient, mais ils ont ça. Ils se posent plus la question de « Ah, c'est un accord majeur 7, je ne vais pas faire de tierce mineure. » Ben non, ça sonne terrible si tu le places bien. C'est juste une question d'octave. Si t'as un accord majeur comme ça, tu vois, hop, et que tu places une tierce mineure ou l'inversement au même niveau, non, ça va pas bien sonner. Mais si tu utilises d'autres timbres, d'autres hauteurs de son, déjà on va faire « Yes, on va même pas forcément tout de suite, à moins que t'aies un perfect pitch. » Mais même si t'as un perfect pitch, ça devrait pas te déranger. Si c'est bien placé, tu vas faire « Oh yes, tu vois, si c'est un accord majeur, on va entendre. Ok, ça c'est une seconde augmentée. Waouh, c'est magnifique. Waouh, c'est trop beau, tu vois. Ou c'est peu importe l'intervalle, tu vois, mais juste d'oublier ce côté théorique et d'être plus dans l'émotion. Je m'amuse, je ferme les yeux et je cherche une émotion. Et de chanter quand tu fais les modes. C'est pas juste un truc théorique, tu vois. Etc. Tu vois, d'aller chercher des trucs, de pas avoir honte
d'essayer de ne pas avoir peur, d'essayer. Essaye, échoue un milliard de fois, mais fais-le. Parce que tant que tu ne le fais pas, tu seras là, je ne sais pas quoi faire. Tu vois. Donc en fait, il faut péter ce truc-là. Et une fois que tu as essayé, tu vas te rendre compte que, ah ouais, c'est ça que je ressens. Tu vois, et tu n'auras pas besoin d'apprendre tous les modes, tu vois, dans tous les sens. En fait, ça, c'est une erreur qu'on fait tous les musiciens. Ok, on doit savoir comment sont construits les modes, et pas que ceux issus du tableau modal majeur, c'est-à-dire de la gamme majeure. Il faut apprendre les modes issus de la gamme mineure harmonique, apprendre les modes de la gamme mineure mélodique. Tout ça, c'est important, tu vois. Et d'autres gammes aussi, enfin, tu vois. Et du coup, moi, je m'amuse même, tu vois, sur les rags indiens, à essayer de créer des modes en fonction des intervalles, en essayant de penser justement comme un occidental. Ça, c'est la fondamentale, ça, c'est la tierce, ça, c'est une quarte ou une quinte, hein, tu vois, et de créer mes délires d'accords comme ça. C'est comme ça que je compose aussi, tu vois. Et l'idée, en fait, il y a des gens qui vont te juger parce que oui, moi, j'étudie, j'ai un diplôme. On s'en fout. Fais ce qui est bon pour toi. Il n'y a que ça qui compte. You know? Tu le fais, et tu vas développer ton truc et tu verras que c'est beaucoup plus simple que la montagne que tu t'imagines. Ouais, parce que ça, c'est aussi dans ta tête. J'espère que ça va t'aider. Ouais, y a plein de messages. Alors, bonsoir, Johan. Est-ce que tu peux aborder le choix de certains modes? Oui, donc ça, j'ai déjà lu. Par exemple, l'utilisation, donc ça, j'ai lu aussi. Alors, je vais te harceler. Je suis comme un enfant avec la théorie. J'ai besoin d'être accompagné. Bah, si tu as besoin d'être accompagné, justement, je t'invite à t'inscrire maintenant. Et si tu peux, en fonction de ce que tu peux, il n'y a pas de souci, fais un règlement comptant, parce que justement, dans le règlement comptant, il y a 3 sessions de coaching. Et si tu es vraiment motivé, moi, j'ai toujours jamais peur de rajouter du coaching freestyle pour les élèves qui sont vraiment motivés. Voilà. Et je le fais plein de fois, c'est juste que je le crie pas sur les toits. Voilà, mais je le fais quand je sens que les élèves sont motivés, qu'ils bossent, etc. Bah oui, je vais pas ne pas t'aider. Enfin, c'est débile. Tu vois, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que j'ai tout lu là. Mais oui, voilà. En tout cas, pour les modes, chante. Mets-toi. Tu vois, dans l'université, le cours sur les modes, je fais exprès de mettre les accords dans tous les tons, peu importe le mode. Comme ça, si admettons que tu veux bosser que le mode dorien en do dièse, et après tu veux le faire que en mi bémol, en mi bémol par exemple, voilà, bah du coup tu peux travailler les deux isolément et t'as les accords qui tournent en boucle et tu vas t'amuser à jouer les modes partout sur ton manche et après tu peux commencer à t'amuser à créer des riffs, à chercher des choses, des idées en fait. C'est ça l'idée. Bonsoir mon ami, bonsoir à toi aussi. Alors à quand le prochain live, demande Vince. Alors je ne sais pas, ce sera certainement la semaine prochaine. Soit mardi, soit mercredi. Il faut que je vois, il faut que je commence à planifier tout ça. Content de te voir au taquet. Toujours motivé. Toujours motivé. J'espère que tu vas bien. Donc voilà, donc je disais pour les modes, n'hésite vraiment pas à chanter, à chercher des intervalles. Tu vois, même des intervalles qui te paraissent improbables ou bizarres, tu vois, si t'as des trucs genre. Maintenant, on va chanter la gamme, enfin le mode. Ça comment pardonner ça. Ça comment pardonner ça. Ça n'est pas mon cœur, je sens. Comment pardonner ça. Tu vois, déjà, il se passe des choses. Il y a des notes qui ressortent. Il y a de la espèce de magie, des fois, qui intervient comme ça. Il faut essayer. Il ne faut pas avoir... Ça n'a pas mon corps. Ça n'a pas. Tu
pas, c'est juste un mode mineur. Voilà, c'est le mode mineur et je tripe dessus. J'en fais un groove, j'y mets de l'intention, j'essaie de mettre de la magie dedans, en fait. Je me dis pas, tiens, c'est le mode mineur, il faut que j'utilise tel degré, et ensuite, la substitution logique, par rapport à ça, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Tu vois, c'est comme quand tu cuisines, c'est comme quand tu fais un câlin à quelqu'un, t'es pas en train de faire de la théorie. Tu vois, t'es dans l'instant présent. Normalement, tu vois, t'es dans l'instant présent et peu importe les imperfections, ce qui compte, c'est le plaisir, en fait. Tu vois, j'aime bien ce mot plaisir, c'est pas pour rien. Alors, oui, c'est ça. Absolument. Vince, pour ta question. Alors, parle-moi de la technique. Alors, de quoi tu veux que je te parle techniquement? Et Ludo qui dit coucou Joanne, j'arrive tout juste un peu tard. Ben en fait, il n'y a pas de souci. Gamme majeure, gamme mineure. D'accord. Ben en fait, moi sur les gammes, ce que je m'amuse à faire, c'est à chanter et à créer mes propres patterns. En fait, je m'imagine des délires de comment j'ai envie de m'exprimer. Est-ce que par exemple j'ai envie de faire. Avec du son, c'est mieux. Par exemple, on va dire que c'est ça mon délire, là maintenant tout de suite. Tiens, il fallait trouver un exemple. J'ai envie de, quand je m'exprime de temps en temps, de pouvoir faire. Tu vois, parce que j'ai envie de pouvoir placer une phrase comme ça. Après. Et de m'amuser, peut-être de passer par des modes qui n'ont rien à voir, etc. Je suis pas obligé de monter les modes. En fait, tu vois, je m'amuse à faire ce que je veux. Je peux faire. Vachement beau, tu vois. Et ce qui compte, c'est encore une fois. Je vais répéter la même chose, c'est quelle est l'émotion en fait que j'ai envie d'utiliser. Donc en fait, que ce soit gamme majeure, gamme mineure ou des modes, j'ai la même approche en fait. Et après, pour répondre à ta question plus spécifiquement par rapport à la technique, bah, je vais m'inventer des exercices techniques par rapport à ce que j'ai envie d'exprimer avec mon instrument. Si par exemple, je m'exprime jamais en utilisant des sauts de cordes. Donc là, j'ai fait des tierces brisées. Sol, si, la, do, si, ré, do, mi, ré, fa, jazz, etc., etc. Moi, je pourrais m'amuser à faire ça avec des sixtes. Je pourrais m'amuser à juste jouer ça et moi à harmoniser. Pour moi, ça, c'est de la technique aussi. Parce que ça me permet de. Ah tiens, j'entends un saxophoniste qui fait. Je le fais souvent, tout le temps en concert. J'entends quelqu'un faire. J'entends la phrase encore une fois. Ok, c'est bon, j'ai une note. Je le reprends à la basse. Je l'harmonise. Puis après, je joue un accord. That's it. Tu vois. Et donc, ça, en tout cas, c'est l'approche que j'ai avec les gammes. L'idée, c'est de toujours faire de la musique. Et de pouvoir toujours créer une ou des interactions avec les musiciens qui sont là. Voilà, parce qu'encore une fois, t'as pas besoin d'avoir un niveau technique de fou, c'est juste oser de la créativité. Au pire, t'as raté une note en essayant de repiquer ce que faisait l'autre, c'est pas grave. Tu vois, si tes amis ou tes collègues sont bienveillants, personne ne va te lancer de tomates. Normalement. Tu vois. Donc, c'est peu probable que ça arrive. Et puis, ça arrive, tu sais que t'es au mauvais endroit. Donc, non, teste, amuse-toi, prends du risque. Et puis, plaisir. Tu vois. Après, faire de la technique pour faire de la technique, ça m'arrive, mais pour ça, je le fais avec du classique, avec de la musique classique, tu vois, j'adore les partitas ou sonates pour violon, tu vois, de Bach. La do mi la mi ré do si, la do mi la mi ré do si la. J'adore la musique classique pour ça, parce que c'est une musique qui est vraiment exigeante. En plus, là, je ne suis pas du tout à l'aise, ma sangle est cassée, elle est morte. Bref, je vous parlerai aussi, j'ai un projet pour des nouvelles sangles. Je croise les doigts pour que ça se fasse. Je me suis écarté, pardon. voilà, ce qui est important pour moi, en fait, c'est de toujours rester dans la musique.
tu vois, parce que voilà, encore une fois, technique pour faire la technique, c'est pas mon délire. Même si j'aime la technique, j'adore faire de la performance quand le projet est beau. Tu vois, je vais écrire Gourtou, faire le tour du monde pendant 5 ans. C'était génial, c'était de la performance, mais c'était pas une musique inaudible. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était pas de la musique inaudible parce que bah, il y avait du groove, ça groovait tout le temps. Tu vois, c'était super. Ou alors, quand tu vas jouer avec, je sais pas moi, des musiciens roumains ou cubains et que tu fais des trucs qui sont aussi complexes, mais c'est pas de la musique inaudible. Bon, c'est pas de la musique avec des sonorités un petit peu dissonantes et tout ça. Et bien que ça me dérangerait pas, hein, si c'est pour faire pour quelque temps avoir encore plus d'expérience, tu vois, dans les domaines. Mais ce qui est important pour moi, c'est vraiment de, voilà, de développer la musicalité, encore une fois, l'interaction avec les autres et de me dire, waouh, là, c'était un beau moment musical. C'était pas parfait, de toute façon, ça sera jamais parfait, ça n'existe pas. Tu vois, si je fais ça, par exemple. Sera jamais parfait, il y aura toujours des petites choses à améliorer d'un point de vue musicalité, etc. Mais je m'en fiche, j'essaye, j'y vais. On fait du mieux que l'on peut. Je sais pas si ça répond à ta question, mais voilà. Hop. En quoi consistent les sessions de coaching en live, session particulière, collective, 3 sessions? Alors, 3 sessions de coaching avec moi, Vince, ça veut dire qu'on est en tête à tête. Voilà, comme si on était en amoureux. Et en fait, on voit vraiment les points, tous les points que tu as envie de voir en détail. Donc voilà. Et ce que je fais souvent, bon, je ne crie pas sur les toits, mais encore une fois, on n'est pas nombreux ce soir, donc c'est cool. C'est que souvent, la première session, je ne la compte pas. Je la compte comme un bilan de compétences. Et la fois d'après, on commence vraiment le coaching. Là, c'est plutôt comme je ne connais pas les élèves. Moi, j'aime bien prendre mes marques, me dire, OK, c'est quoi ton parcours? Ce que tu as fait, t'en es où? Joue ça, joue ça, joue ça, joue ça, tac, 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 tac. Boum, OK, par rapport à ce que tu veux faire, on va attaquer ça. Va avoir tel cours dans l'université et moi, je vais t'aider personnellement en faisant ça, 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 ça. Voilà. C'est là où c'est le plus efficace, en fait. J'espère que c'est clair, je n'ai pas parlé trop vite. De rien pour avoir répondu à ta question. En fait, je vois pas qui c'est. Par rapport à la question sur la gamme majeure, gamme mineure, en fait, c'est écrit Facebook user. Voilà, je pense que dans tes paramètres, tu as dû bloquer des choses, c'est pour ça que ça ne s'affiche pas, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Donc voilà, si vous avez encore des questions, j'y réponds, sinon je vous libère, vous êtes des hommes et des femmes libres. Puis moi, je vais aller faire de la musique au casque. Tombe pa di da tu di, di da di. Tu di da ti na tu di, di a le. Tu po kumbu tombe ta ti na tu di, di a le. Tu pe kumbu ti yu de lom, de na ten. De na du lom, tu pe de yam ti bang di yam. Ti yu bi lom, de na ni de yam, tu pe lo de dan din di la ti. J'adore jouer de la basse et chanter en même temps. Bah, c'est mon délire. Merci Richard Bona, Sting et tous les bassistes chanteurs. Michel, de m'avoir mis des coups de pied aux fesses. Inspiration. Alors, je n'y ai pas eu droit lorsque je me suis inscrit. Alors, Vincent, c'est normal. C'est parce que toi, tu es dans la méthode Groove Like a Pig. C'est exactement pas la même chose. Pour être transparent. Hop, alors Vincent, ta bonne humeur est un vrai plaisir en ces temps compliqués. En fait, pour répondre à ta question, Vincent, c'est parce que toi, tu as accès à encore plus de contenu. Là, c'est juste le lien que vous voyez, que vous voyez, je vais le remettre à l'écran. Ça donne accès que à l'université Groove Like a Pig et pas à la méthode Groove Like a Pig.
Voilà, parce que les contenus qui sont dans la méthode Groove Like a Pig ne se trouvent pas dans l'université. Par contre, dans la méthode Groove Like a Pig, vous avez accès à du contenu qui est dans l'université. Voilà. Alors, Juliano, ah, c'est toi, Juliano, c'est cool de te voir là. Ben en fait, il faut que tu regardes sur le lien, tout est expliqué, ou tu m'envoies un message sur Facebook, Juliano, il n'y a pas de souci. Alors, Vince, merci, Johan, de ton temps. Un jour, on sera trop nombreux, je te le souhaite. Et l'échange sera moins personnel. Donc, c'est ça. Donc là, c'est cool. Non, je fais attention, pour être transparent, je filtre pas mal. Voilà, j'ai tout un système pour filtrer. Donc, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Je sais que les touristes n'aiment pas ma joie de vivre, ils pensent que je suis fake ou des trucs comme ça. Ou des fois, je reçois des messages sur YouTube, genre, ouais, t'es tout en train de rigoler, hein, je prends pas des correcteurs, je fais, c'est pas possible. J'ai, tant mieux, viens pas si t'es comme ça, non, on veut pas de personnes négatives. Parce qu'une personne négative, ça peut pourrir, tu vois, l'ambiance de la communauté. Et en plus, on fait vraiment super gaffe avec l'équipe vis-à-vis de ça, donc on est tous au taquet. Donc voilà. Au taquet, c'est normal. Voilà. Non, la vie peut être parfois assez cruelle et difficile, donc c'est pas la peine de s'auto-saboter, de rajouter de la négativité, de se victimiser. D'ailleurs, je prévois une masterclass dans l'université, pour ça je devais la faire fin février, et j'ai toujours pas fait à cause de l'application. Là, je suis très focus sur les lives Jaco, mais ça va bientôt se terminer, c'est ça qui est cool aussi. Du coup, on va pouvoir reprendre un rythme de live beaucoup plus intéressant, avec des invités cette fois-ci. Et qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, c'est que voilà, j'ai prévu un live. Alors c'est pas, je sais pas si je peux appeler ça du développement personnel, mais en tout cas c'est avec beaucoup de travail sur soi. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Puis après il y aura un live dédié aussi à la gestion du temps, parce que j'ai commencé à scripter il y a quelques mois une formation sur la gestion du temps, comment organiser son temps, tout ça. C'est des questions qui revenaient souvent tout le temps. Donc je me suis dit, je vous partagerai tous mes process. Comme ça, vous voyez comment j'arrive, par exemple, à créer autant de contenu, faire une application, créer du contenu pour les élèves dans l'université, avoir du temps pour mon fils, parce qu'un week-end sur deux, je passe que du temps avec mon fils et ma chérie. Et puis après, l'autre week-end, je travaille pour moi, je travaille sur mes projets personnels, la base, etc. Ou l'application, etc., etc. Et du coup, la gestion du temps, pour moi, c'est vraiment primordial. Voilà, gestion du temps, l'état de comment on gère son énergie par l'alimentation. Donc, je ne suis pas nutritionniste. Je vais pas vous faire un cours sur l'alimentation, mais je vous partagerai des principes, des choses datées, certifiées, des choses comme ça. Un, pour être crédible, sinon c'est un peu débile. Je vais dire baka en japonais, c'est un peu débile. Et puis deux, parce que c'est des choses que j'applique à moi-même. Donc, par principe de cohérence, s'il y a des choses qui fonctionnent pour moi, je dis pas que ça fonctionnera automatiquement pour vous, c'est pas vrai, mais il se peut que ça puisse vous influencer à peut-être revoir votre hygiène de vie, l'heure à laquelle vous couchez, votre alimentation, votre rapport à la nature, votre rapport avec les autres, comment avoir une communication non violente, verbale, etc. Comment mieux gérer l'ego des gens, des autres. Parce que je vois, sur le peu de temps que je passe sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou quoi, quand je me connecte pour partager les choses, c'est que du négatif. Et je me dis, mais c'est dommage. Parce que finalement, toutes ces clés-là, elles sont disponibles si on a envie de travailler sur soi. Mais il faut déjà avoir envie de travailler sur soi. Parce qu'il suffit pas d'apprendre des choses sur « Ok, j'ai un fucking putain d'ego », désolé pour les gros mots, tout le monde en a un. Et du coup, déjà, le fait de le savoir, le fait de travailler dessus, le fait de se dire « Ok, comment je peux le gérer avec ma chérie, avec mon fils ? Comment je peux le gérer avec vous, mes élèves ? Comment je peux le gérer avec mes collègues ? Comment je peux le gérer avec moi-même et pas m'auto-détruire ? » Mais pour tout le monde, ça devrait être comme ça. Enfin, j'imagine dans un monde utopiste. Donc voilà. Et du coup, ce live-là, ouais, je vais bien le préparer. Ça va arriver. Mais ce sera par contre dans l'université, parce que l'intérêt de pouvoir faire un live aussi bien construit, c'est que je vais vous montrer, comme je suis d'habitude dans les lives de l'université, je vais vous montrer plein de visuels, des choses comme ça, mais surtout, je vais pouvoir ouvrir vos micros comme je le fais toujours. On va pouvoir travailler en groupe comme on fait toujours dans les lives de l'université. C'est que je sais pas, moi, si on est 100 ce soir-là, le soir du live, je peux faire 4 groupes de 25. Et du coup, chacun des exercices, et ça va être super interactif et ça va être cool et bienveillant. Rappelons-le toujours. Voilà. Vincent qui dit « Ah, ok. » Mais oui, Vincent, tu es privilégié, comme Christophe et bien d'autres. Bon, il faut mettre une date pour une masterclass à Paris.
Bah, avec grand plaisir, hein. Écoute. Alors, celui qui connaît un peu la musique se doit de te respecter et t'admirer quelque part. Tu as joué avec Trilok, nom de Dieu, ça marque une vie, ça. Même Marcus Miller était tout humble à ses côtés. Non, c'est vrai, c'était de belles expériences, mais voilà, tout le reste, tout le meilleur reste encore à venir. Hein. Donc, moi, je suis ouvert à d'autres collaborations, comme toujours. Super idée, surtout dans ces temps difficiles. Oui, c'est ça, c'est exactement ça l'idée. Mais j'avais promis à un élève qu'on ferait ça dans les prochains mois. Ça, c'était en janvier que j'avais dit ça. J'avais prévu pour fin juillet. Et en fait, à un moment donné, j'étais tellement débordé avec l'application. Il fallait vraiment que je donne un gros coup de charbonnage, si je peux dire comme ça. Je charbonne comme un fou. Et du coup, j'ai préféré décaler, parce que j'ai même décalé une formation qui est déjà filmée, mais qui n'est pas terminée sur la lecture à vue. Voilà, là aussi, vous allez bien rigoler d'ailleurs. Et parce que je me suis bien amusé, mais pas grave, je me dis je finirai tout ça après d'avoir l'application, c'est la priorité, parce que c'est un chantier fou, sinon je vais sortir ça dans 2 ans, dans 3 ans, et c'est inadmissible, il faut que ça sorte. Voilà. Voilà, comme ça vous savez tout, je suis vraiment transparent, je peux pas faire mieux. Voilà. Si vous avez plus de questions, je vous libère. Si vous avez des questions, je vous réponds. Moi, je vais encore jouer de la basse en attendant. Major. Yes. Alors Vince, par rapport à ta question, tu dis c'est plus complet Groove Like a Pig ou l'université. Alors Groove Like a Pig est encore plus complet parce que l'objectif, c'est une méthode. En fait, l'objectif, c'est d'apprendre à créer des lignes de basse et improviser. Et en fait, c'est pas du tout le même accompagnement que l'université. C'est-à-dire que je donne beaucoup plus de mon temps personnel parce qu'il y a à la clé d'office 5 sessions de coaching. Et en plus de ça, pour ceux qui font un règlement comptant, c'est 20 sessions de coaching direct. Tu vois, c'est pas du tout la même chose. Et en plus, les contenus qui sont dans la méthode ne sont pas disponibles dans l'université. C'est vraiment un truc à part. C'est-à-dire, dans l'université, pour faire simple, tu vois, alors je vais exagérer, mais je veux dire, c'est du contenu généraliste dans lequel on va aborder tout ce qui est important, peu importe le niveau. Et dans la méthode Groove Like a Pig, le but unique, c'est vraiment d'apprendre à créer des lignes de basse et improviser, etc., etc. Vincent dit, je vous souhaite à tous une très belle soirée. À toi aussi. Au plaisir. Eric qui vient d'arriver. Donc du coup, si vous n'avez plus de questions, je vous libère. Si tu as encore des questions, Vince, n'hésite surtout pas. En fait, en fonction de ton niveau, de ton budget, du temps que tu as, si par exemple tu es débutant et que tu viens juste de démarrer la basse, déjà l'université c'est super. En fait, la méthode Groove Like a Pig fonctionne aussi pour les débutants parce qu'en fait, c'est dommage, je ne sais pas faire de partage d'écran sur ce logiciel-là, c'est pas grave. Mais en fait, pour être transparent, la méthode Groove Like a Pig, tu as un cours et dans chaque cours, que ce soit la technique, l'oreille, le rythme, etc., tu as un cours par niveau. Donc, je vais dire une connerie. Si par exemple, je t'apprends à faire tac et des métac du no, ta langue, tac et des métac du no. Voilà, parce que tu es arrivé à ce cours-là. Du coup, on va voir cet exercice-là, niveau débutant, niveau intermédiaire, niveau avancé. Comme ça, personne ne peut tricher. Tu es obligé de suivre le niveau que tu as pour être obligé d'avoir un résultat. Donc, je me suis bien pris la tête vis-à-vis de ça. Donc, voilà, c'est juste qu'il y a plus, comme je disais tout à l'heure, et en plus, bah, je donne beaucoup de mon temps personnel. C'est aussi pour ça. Et ça donne donc accès à vie et à la méthode et à l'université. Il y a plein de bonus aussi qui ne sont pas disponibles dans l'université, mais qui ont un rapport avec l'improvisation, tout ça. Hop, j'aime beaucoup ta bienveillance. Merci, c'est gentil. Merci, bonne soirée Joanne et bonne soirée à tous. J'ai 30 minutes.
par jour à consacrer à la basse. Mais c'est génial déjà, c'est énorme. C'est énorme si c'est consacré de manière intelligente et effective. Tu vois, je sais pas si ça se dit en français, oui, effective, ouais, moi je sais plus, Jean-Claude Van Damme, de manière efficace, tu vois, ouais, carrément, c'est super. Avec plaisir, Juliano, à très bientôt. Du coup, je vois qu'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser, je vous souhaite une excellente soirée. Ne tombez pas dans la négativité hein, à cause des événements. N'oubliez pas que vous avez un cœur qui bat là, et c'est ça le plus important. Et faites-vous plaisir avec la musique, avec la basse. Venez me voir dans l'université, il y a toute une partie vraiment énorme du forum. Enfin, je crois que j'ai fait en sorte que tout le forum soit gratuit, même quand vous n'avez pas rejoint les programmes. C'est vraiment volontaire de ma part, parce que le but, c'est vraiment d'aider. Hein, c'est pas un truc fake, il y a pas de ça chez moi, je déteste les machins comme ça, genre oui on veut aider puis au final c'est dans ton loop. Non, les forums sont vraiment gratos, tout ça, il y a vraiment énormément de contenu et de formations qui sont aussi déjà disponibles gratuitement dans la formation, j'appelle ça maintenant les bonus de Pig. Donc c'est simple, pour ceux qui veulent rejoindre ça, vous allez sur bassistpro.com, dès qu'il y a un pop-up qui apparaît, vous mettez votre email, si vous n'avez pas déjà un compte, ça va vous créer un compte. Voilà, tout de suite gratuitement, et vous avez juste à vous amuser avec vos basses. Voilà, et pour ceux et celles qui désirent un accompagnement, voilà, que je vous accompagne, que je vous coach, que je vous donne des conseils personnalisés, mais encore une fois, profitez, en dessous de la vidéo, il y a un lien, inscrivez-vous, ça vous donne accès à vie à l'université Groove Like a Pig. Et pour ceux et celles qui plus tard souhaiteraient de toute façon rejoindre la méthode Groove Like a Pig, on fera la différence. De toute façon, vous inquiétez pas, il y a pas de souci. Ça dépend que de ta motivation, de comment tu avances, etc. On est vraiment super arrangeant et super cool. On l'a fait avec plein d'élèves. Voilà. Du coup, il y a des messages qui arrivent. Je vais décortiquer un peu plus ton site. En fait, j'ai commencé la basse il y a 13 ans. J'ai pratiqué pendant 4 ans à fond. Et puis, j'ai arrêté. Je m'y suis remis cette année soutenu. OK. Mais carrément, en fait, tu viens quand tu veux, quand tu peux, quand tu le sens. Et si tu as des questions, n'hésite pas à écrire au support. Donc, c'est support@groovelacupig.com. Voilà. Eric dit, je suis débutant, moins d'un an. Tu aurais un programme type? Oui, j'ai le kit de démarrage. Alors, je t'invite à écrire pareil au support. Donc, tu écris un email à support@groovelacupig.com. Tu leur écris un email et le support va t'envoyer le lien d'inscription. Voilà. Et je t'invite à suivre tous les cours dans l'ordre du kit de démarrage. Ça va vraiment t'aider à te lancer. Bonne route à toi aussi. Ouais! Genre 15 minutes de technique, 10 minutes. 5 minutes de cover, waouh, c'est génial. Hey, c'est génial, ça, on sent la niaque, l'organisation, ça, c'est chouette. Et là, franchement, tu vois, si tu gardes ça, tu vois, en fait, t'as pas besoin d'en faire plus. Si tu gardes ça et que tu le fais tous les jours, tout à l'heure, en début de live, j'expliquais ça, la règle des 30 jours, 60 jours, 90 jours, si tu fais ça, même pendant un semestre, tu vois, c'est juste énorme, 180 jours, tu fais ça, bah, t'es sûr que tu vas progresser plus vite que la moyenne. Tu vois, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un génie, c'est juste de l'organisation et de la persévérance. Point. Tu vois, et tout le monde peut le faire. Malheureusement, tout le monde ne le fait pas. Tu vois, manque de courage, on se trouve des excuses. Des fois, la vie est vraiment compliquée aussi, donc je me permettrai jamais de juger. Voilà, par empathie, je peux comprendre qu'on peut être des fois dans des situations très complexes. Voilà, on a tous des parcours de vie, des chemins de vie qui sont différents. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est à la portée de tout le monde. Si on le veut, on le peut. Bonne soirée! Prends soin de toi, de ta famille, de tes proches. À très vite à toi aussi, Vince. Ciao! Merci d'être venu. À tous. Et j'ai pas de jingle pour cette fois, mais c'est pas grave pour les prochains lives. Ciao! Plein d'amour.